di riduzione, attenuazione del tumore generato dagli scali marittimi. Il programma di oggi è, come avete potuto vedere, probabilmente abbastanza ricco perché non abbiamo soltanto gli interventi appunto dei beneficiari, ricordo l'Università di Genova, ARPA Toscana, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, quindi il porto di La Spezia, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna, quindi più precisamente il porto di Cagliari, la Camera di Commercio di Bastia, e quindi il porto appunto di Bastia, il coordinatore, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, quindi il porto di Livorno. Abbiamo anche il piacere di avere degli ospiti esterni, in particolare come discorso introduttivo, intervento introduttivo, quello della dottoressa Laura Cavalli, che è coordinatore di un programma di ricerca specifico presso la Fondazione ENI Enrico Mattei sull'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibili. Noi abbiamo il piacere appunto di aver invitato la dottoressa Cavalli, con la quale abbiamo cooperato già da tempo, proprio per cercare di inquadrare le attività di Monacum, ma non solo, dei progetti in generale di sostenibilità dei porti, proprio nel quadro più complessivo degli obiettivi 2030 di sostenibilità. E quindi diciamo far comprendere a chi ci ascolta anche il significato di certe attività che sono finanziate magari da programmi diversi nell'ottica di queste strategie complessive. E di conseguenza, appunto, cedo volentieri la parola alla dottoressa Cavalli per il primo intervento. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, è davvero un piacere essere qui con voi oggi in questa occasione molto importante per la ricerca e per la declinazione della ricerca sui territori. Come diceva prima il collega, io mi occupo di sviluppo sostenibile e di localizzazione dello stesso, ossia cosa vuol dire davvero parlare di sostenibilità, che è una parola un po', diciamo, abusata magari in quest'ultimo periodo storico. Cosa vuol dire parlare di sostenibilità applicata ai territori? E soprattutto cosa vuol dire fare ricerca in questo senso, in questa direzione? E ho avuto il piacere, come ricordato precedentemente, di lavorare e di portare un contributo appunto di ricerca anche parlando di porti smart, e quindi volevo raccontarvi appunto questa esperienza di ricerca in questo specifico ambito. È nota ormai l'Agenda 2030, che è questa promessa da parte dei leader di tutto il mondo di porre fine alle povertà, e toccando i cosiddetti tre pilastri dello sviluppo sostenibile, ossia economia, società e ambiente, e davvero toccando, oltre che i tre ambiti, tantissimi aspetti ritenuti non rilevanti, ma fondamentali per arrivare a uno sviluppo sostenibile. Sostenibile vuol dire uno sviluppo possibile oggi senza compromettere l'uso delle nostre risorse naturali alle generazioni future. A me piace sempre ricordare un detto indiano che dice che noi non ereditiamo le terre dai nostri avi, ma le prendiamo a prestito dai nostri figli. Ecco, questo è proprio il concetto di sviluppo sostenibile. E l'Agenda 2030, che è questa promessa, si compone di target, si compone di sottobiettivi per permettere il raggiungimento di questo sviluppo sostenibile. Quindi l'Agenda 2030 prevede l'abbattimento del problema della povertà, del problema della fame nel mondo, del raggiungimento di una buona salute, di un'innovazione infrastrutturale, di una riduzione delle disuguaglianze, toccando quindi tutti aspetti molto concatenati tra loro. Quindi assolutamente non considerabili come silos specifici e individuali, ma sicuramente molto eterogenei. Quando parliamo di Agenda 2030, noi parliamo di questa promessa internazionale, promessa olistica. Quando io vado a raccontare che l'agenda è una promessa atta a porre fine alla povertà, tutti, dai piccoli che mi ascoltano magari a scuola, agli amministratori regionali, internazionali, mi guardano per dire: bene, interessante, ma cosa vuol dire davvero? Non serviva una promessa, servivano e servono azioni concrete. Quindi l'Agenda 2030 è questa promessa olistica che va declinata. Va declinata, e a livello italiano abbiamo fatto negli ultimi anni, considerate che l'Agenda 2030 è nata nel 2015 e si chiama 2030 perché ha degli obiettivi che vanno raggiunti, andrebbero raggiunti nel 2020 e altri nel 2030, ma ha iniziato un processo proprio di localizzazione sui nostri territori a partire dal 2017, con la stesura della strategia italiana per lo sviluppo sostenibile.
sostenibile. Cosa significa? Significa che è stata presa questa agenda internazionale e ci si è chiesti a livello di ministeri, a livello di portatori di interessi locali, a livello di amministratori, a livello di stakeholder pubblici ma anche privati, cosa volesse dire declinare la sostenibilità sulle nostre caratteristiche, sulle caratteristiche economiche, sulle caratteristiche sociali, demografiche dell'Italia. Ed è stata presentata appunto dopo una consultazione importante interministeriale questa strategia italiana, dove si leggono le priorità per il paese, ma anche intersecate in termini di sviluppo sostenibile. Però ovviamente l'Italia, ma questo anche altri paesi del mondo è lo stesso, ma in Italia abbiamo questa caratteristica molto forte di eterogeneità. Quindi serviva nel tempo, si è reso necessario andare a declinare la strategia nazionale nelle diverse regioni. Perché ovviamente parlare di sostenibilità in Sardegna non è come parlare di sostenibilità in Val d'Aosta o in Sicilia o in Lombardia. E quindi le regioni si sono dovute dotare e si stanno dotando, alcune di esse ancora oggi, di strategie regionali che coniugassero ovviamente quella nazionale, quella internazionale, ma a partire dalle necessità molto specifiche dei territori. E c'era necessità di un passaggio in più. La regione, anch'essa molto eterogenea al suo interno, aveva bisogno e ha bisogno di dotarsi di agende urbane che possono essere definite in termini di città, ma anche definite in termini di comunità. Quindi capire davvero quali siano le caratteristiche e le necessità di breve, di medio, di lungo periodo di un territorio e in base a questo settare i propri target in termini di sviluppo sostenibile, senza perdere la caratteristica di eterogeneità e senza perdere la caratteristica di essere olistica, comunque di includere tutti i concetti presenti nell'agenda internazionale. Però, quando parliamo di città, non sappiamo esattamente se parliamo di città al singolare o di città al plurale, perché quante città esistono? Esistono città smart, adesso vengono definite smart, città connesse, ma esistono anche città inclusive a misura di bambino, esistono città green, esistono città circolari. Ecco, tutte queste tipologie di città devono rientrare e rientrano ovviamente all'interno del concetto di sviluppo sostenibile. Quindi sono aspetti diversi della complessità del fenomeno città. E questa complessità si materializza, si concretizza proprio anche all'interno dell'Agenda 2030, che benché debba essere e sia molto ampia, molto olistica, dà degli indirizzi molto specifici. Città sostenibile, comunità sostenibile, quindi dipendente o meno dal confine amministrativo, è una città con verde urbano, quindi con spazi dedicati al verde. È una città che ha dei trasporti pubblici efficienti, green, ma comunque che raggiungono tutte le parti della stessa città. È una città connessa all'interno ma anche all'esterno. È una città che sia inclusiva per le donne che lavorano, per le persone con disabilità, che non faccia discriminazioni. Quindi anche il concetto di città declinata all'interno dell'Agenda 2030 è molto articolato, è un goal molto complesso e che richiede una conoscenza dei territori e della specificità locale molto molto ampia. Aggiungiamo complessità alla complessità anche in questa ottica di localizzazione, quindi diciamo, da generale a particolare. Quando si parla di città nell'SDG 11, non si parla solo di SDG 11, perché questo goal è collegato ovviamente a tutti gli altri. Non esiste, per esempio, una città sostenibile se la città è in guerra, quindi se non vi è pace, se una città è corrotta dal punto di vista di amministrazioni locali pubbliche o meno. Quindi molto forte il legame con il Goal 16, pace, giustizia e istituzioni forti. Una città non è sostenibile pienamente se non applica i principi di consumo e produzione responsabile, quindi tutti i legami con l'SDG 12. Una città non è sostenibile se non è atta a ridurre le inuguaglianze e quindi legami molto forti col Goal 10. Città necessita, per essere sostenibile, di infrastrutture concrete o astratte, di connettività o di trasporto e quindi legami con il Goal 9.
Una città non è sostenibile se non presenta un accesso, per esempio, ai sistemi sanitari, se ha delle liste d'attesa che non sono accettabili, quindi tutte le connessioni col Gol 3. Una città non è sostenibile se non ha legami con il tentativo di ridurre la povertà all'interno dei propri confini. O ancora non è sostenibile se non garantisce l'accesso ai trasporti, agli spazi, con attenzione per esempio alle donne, ai bambini. Quindi tutti questi legami rendono ancora più complicata la declinazione di questo goal all'interno dell'Agenda 2030. E quindi molto forte, questo mi piace davvero sempre ricordare, il concetto di localizzazione. Che io sia un ricercatore, un'amministrazione pubblica o che io sia un privato, un'azienda, un'impresa, non posso pretendere di prescindere dal declinare questa strategia internazionale a livello specifico. Perché ovviamente, nonostante l'Agenda 2030 sia da raggiungere tutti insieme, quindi proprio come missione globale, non può arrivare ad essere globale senza essere prima locale. E quindi questo concetto di materialità, andare a capire davvero quali siano le necessità, perché non si deve mai perdere di vista la finalità propria, cioè se io sono un'azienda devo fare profitto, se io sono un amministratore pubblico devo essere rieletto, la finalità è sempre quella propria, ma conoscere il territorio, conoscere la realtà in cui opero, mi permette di applicare i concetti di Agenda 2030 per raggiungere, per mettermi su questo sentiero di sostenibilità. Come però possiamo essere concreti quando decliniamo gli SDGs, i Sustainable Development Goals? Io ho il piacere di riportare due esempi di ricerca proprio a servizio dello sviluppo sostenibile, coordinando, ma prima essendo ricercatore in quest'area in Fondazione ENI, abbiamo proprio avuto la possibilità di creare degli strumenti per poter avanzare nei progressi verso lo sviluppo sostenibile. Sostenibile. Abbiamo potuto toccare con mano le necessità locali, siano esse europee, siano necessità molto specifiche su aree interne nazionali o siano esse regionali o di cooperazione internazionale. Ma proprio per arrivare a una concretezza, volevo raccontarvi e portare all'evidenza due importanti ricerche che abbiamo fatto proprio con questo tentativo di concretizzare il raggiungimento degli SDGs. Il primo è il City Index nazionale. Abbiamo provato a quantificare il livello di raggiungimento dell'Agenda 2030 a livello di comune capoluogo di provincia. E questo perché? Perché volevamo in qualche modo rendere consapevoli gli amministratori urbani, locali, sindaci dello stato di implementazione di tutti i target. L'Agenda 2030 ha questi 17 obiettivi, ma 169 sottobiettivi, un aiuto concreto al raggiungimento dell'obiettivo più ampio. Ma senza sapere il punto di partenza, quindi lo stato dell'arte rispetto e all'interno dei propri confini, scusate, comunali, era difficile poter poi rendere più consapevoli quali politiche, quali investimenti affrontare. E così abbiamo creato questo strumento che quantifica, fatto 100, appunto, il pieno raggiungimento della sostenibilità, così come dettata, dall'agenda ONU, ma anche dalla strategia nazionale e da quella urbana, quale fosse lo stato dell'arte di implementazione a livello di confine amministrativo. E quindi fornendo questo stato dell'arte senza fornire un ranking, perché qui l'obiettivo non è tanto declinare la sostenibilità e far capire chi è il primo della classe, ma proprio rendere a disposizione del politico, ma inteso proprio come policy maker, uno strumento per capire dove investire a livello infrastrutturale, a livello di politiche. E abbiamo capito che la sostenibilità media italiana nel 2018 era circa il 52,7% e nel 2020 con un piccolo incremento al 53,2% è ancora un po' lontana. Non abbiamo per esempio comuni capoluogo di provincia verdi, ossia nessun comune ha raggiunto più dell'80% della sostenibilità appunto declinata in questi termini, ma nessun comune è anche rosso, quindi nessuno è così lontano da questo sentiero di sostenibilità. È ovvio che la sostenibilità media si raggiunge nel tempo e anche il concetto di materialità, quindi di andare a capire quali siano le necessità locali, si scontrano in questo periodo con le problematiche pandemiche, ecco, non possiamo far finta che questo problema non esiste e anche in
in termini di impatto sui dati, sulle priorità, sulle politiche prioritarie per la ricostruzione, ovviamente vanno prese in considerazione. Dal punto di vista aggregato, quindi per fornire anche un livello intermedio, quindi non soltanto urbano, ma anche aggregato nazionale, i risultati mostrano come i goal più infrastrutturali, più sull'energia pulita, siano quelli un po' più lontani dal pieno raggiungimento urbano, mentre politiche più locali, atte magari a migliorare la povertà all'interno dei confini, hanno dimostrato nel tempo un raggiungimento più consistente. E questo è legato ovviamente a motivi di rielezione piuttosto che a motivi appunto prioritari. Ma ovviamente declinare la sostenibilità nei confini locali significa anche capire il concetto di materialità. Quindi cosa significa per un comune con le sue caratteristiche andare in un'ottica, in una direzione proprio atta a sviluppare e ad avere anche connessioni e esternalità positive con il contorno, quindi con il territorio all'interno del quale opera. E qui volevo portare a vostra evidenza, anche per, diciamo, inserire, introdurre proprio l'elemento che è portante per questa conferenza conclusiva, portare lo sviluppo sostenibile e la ricerca sullo sviluppo sostenibile all'interno della logistica portuale, un viaggio in questa logistica portuale che abbiamo fatto con alcuni colleghi. Alcuni colleghi 5 per 1, in ottica proprio di partnership per lo sviluppo sostenibile. Fondazione ENI, quindi come diciamo centro di ricerca internazionale senza scopo di lucro, Autorità Portuale Pubblica di Livorno, Ericsson, quindi società privata, Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro per le telecomunicazioni, quindi CNIT, e TIM, società privata. Quindi 5 per 1, 5 enti con una natura completamente diversa, con finalità principali molto diverse, ma orientate ad un goal: localizzare lo sviluppo sostenibile all'interno del porto di Livorno attraverso la leva tecnologica. Abbiamo chiamato questo progetto un progetto 5 per 1, proprio legato al partnership per lo sviluppo sostenibile, che è un altro goal dell'Agenda 2030. Quindi partendo dal goal 11, quindi dalla localizzazione all'interno dell'area della città di Livorno, questo goal, con tutti i suoi legami, ha portato la necessità di parlare insieme, di sviluppare un canale, una partnership molto molto robusta per affrontare un passo in più in questo ambito di declinazione. Ovviamente ci siamo scontrati con una complessità molto alta. Abbiamo cercato di capire in primis quali fossero gli obiettivi e i goal, i target dell'Agenda 2030 da abbinare ai processi di logistica portuale. Quindi abbiamo trovato questi 169 target, così come sono declinati in termini di Agenda 2030, e li abbiamo abbinati a 38 processi portuali, a 38 sottoprocessi all'interno di questa logistica portuale, senza perdere di vista la finalità principale e il contesto. Sappiamo, e sapete meglio di me sicuramente, che esiste questo impatto macro, perché il 74% dei beni che entrano o escono dall'Europa lo fanno via mare. Abbiamo un numero molto alto di lavoratori che sono occupati nei porti europei, circa 1,5 milioni, e abbiamo moltissima impronta ecologica. 147 milioni sono le tonnellate di CO2 del trasporto marittimo in Europa nel 2018, quindi circa il 16% di quello mondiale. Quindi abbiamo contemporaneamente una complessità dettata dalla complessità stessa della logistica portuale, dettata dall'Agenda 2030, ma anche dettata dalle tre sfere che si intersecano: impatto macro sociale, impatto macro economico e impatto macro ambientale. Abbiamo cercato di capire come una leva tecnologica, e da qui anche il contributo ovviamente di Ericsson all'interno del progetto, come questa leva tecnologica del 5G potesse essere considerata tale in ottica di sviluppo sostenibile. Quindi come il 5G potesse risultare rispetto all'Agenda 2030 un driver. Abbiamo ovviamente studiato, analizzato gli impatti delle trasformazioni digitali, abbiamo capito che
analizzando tutti i processi, a livello macro si poteva risparmiare circa il 15% di CO2 in tutti i settori coinvolti nei processi portuali. Ovviamente logistica inclusa, trasporto merci inclusa, trasporto passeggeri e persone inclusa. Questo è l'impatto più macro. Ovviamente tutti questi benefici andavano quantificati e così abbiamo proposto e abbiamo studiato un modello che abbiamo chiamato SDG Smart Port per, grazie al concetto di materialità, quindi declinando sul territorio, declinando sulla specificità del porto di Livorno, questo modello passando ovviamente dal macro, come abbiamo visto in precedenza, al micro, appunto considerando come base questo concetto di materialità. Quindi abbiamo analizzato insieme, sempre in quest'ottica di partnership per lo sviluppo sostenibile, un modello partendo ovviamente dai KPI più innovativi che consideravano la trasformazione abilitata dal 5G, quindi da questa leva tecnologica, come driver per la valutazione delle prestazioni portuali. Quindi come un porto può risultare più performante anche grazie all'inserimento, all'introduzione di 5G. Quindi l'impatto era questo modello di riferimento atto a fare scelte concrete, prendere decisioni concrete anche di investimento locale per arrivare ad avere un porto più sostenibile, ma anche un'esternalità positiva rispetto a tutta l'area portuale e urbana all'interno della quale il porto di Livorno ovviamente opera. Non è un silo scalato, ma ha tutte queste connessioni con la città, con le province, con la regione, ovviamente circostanti. Gli SDGs impattati sono stati moltissimi e questa leva abilitante del 5G ha avuto ovviamente e ha l'opportunità di dialogare e di impattare diversi goal. Ovviamente sempre in un'ottica molto olistica, quindi partendo dalla partnership per i goal, che è quella di cui stiamo ovviamente parlando, ma anche una partnership degli attori che operano sul territorio. Ovviamente questo tipo di modello impatta gli SDGs più sociali, quindi istruzione di qualità, ma soprattutto gli SDGs più economici e infrastrutturali, quindi una competitività e una maggiore sicurezza per i lavoratori, un'innovazione infrastrutturale importante, una crescita sostenibile dal punto di vista economico-finanziario per la città portuale, un inserimento di una sorta di education anche a livello micro rispetto alla quantificazione, al numero di attività responsabili dal punto di vista ambientale all'interno della logistica e ovviamente una salvaguardia maggiore dei mari e una stima di impatto minore rispetto alla produzione di CO2 sul territorio. Cosa vuol dire quindi declinare la sostenibilità? Vuol dire arrivare a dei risultati pratici, vuol dire arrivare a studiare, grazie alla disponibilità di informazioni, grazie a diverse expertise, grazie a diverse tipologie di connessioni all'interno dei partner che lavorano e che fanno ricerca su questi temi, arrivare a dire che applicare il 5G e quindi inserire questa leva di sostenibilità significa ridurre di circa l'8% le emissioni di anidride carbonica per singolo termine. Significa stimare un impatto di risparmio annuo medio di 2 milioni e mezzo di euro. Significa arrivare a capire che tramite l'automazione si può produrre, arrivare a un aumento della produttività circa pari ad un addizionale, quindi 25%. Tutto questo per dire cosa? E qui concludo e lascio ovviamente spazio agli esiti di questo progetto importante che avete portato avanti. Arrivare a dire che modelli, ricerca e connessioni di ricerca sono molto importanti e che il modello è sempre un modello di ricerca applicabile alle diverse specificità. È un modello replicabile e pianificare conoscendo gli impatti di queste tipologie di investimenti, grazie appunto all'applicazione dei modelli e simulazioni, può essere rilevante e può essere un primo passo importante per camminare appunto insieme verso questo sentiero di sviluppo sostenibile. Quindi ricerca, mondo pubblico, mondo privato, investimenti, tecnologie, sono ormai attori che devono lavorare congiuntamente. Cioè, la ricerca non deve più fare solo ricerca per pubblicare, l'azienda non deve più solo fare lavoro per produzione e incremento dei profitti, ma queste scelte, queste connessioni devono emergere
in modo sempre più forte, sempre più importante, proprio per permettere di raggiungere in modo concreto e non solo astratto questo sviluppo sostenibile locale, regionale, nazionale e soprattutto globale. Concludo, spero di non avervi annoiato, di non aver rubato troppo spazio. Grazie. Grazie, grazie ancora alla dottoressa Cavalli, e lo dico anche a beneficio del pubblico che ci sta ascoltando, che la dottoressa Cavalli si dovrà scollegare un po' prima, quindi se ci sono domande su questo intervento prego di farle subito, mentre in generale diciamo per le domande possiamo poi raggruppare negli interventi successivi le questioni tutte insieme, ma in questo caso se avete domande vi chiederei di farle subito, e questo anche per la stanza francese eventualmente. Io l'unica cosa che posso appunto diciamo chiedere per precisazione anche a beneficio dei partner di progetto è se dalla ricerca appunto emersa sul raggiungimento di obiettivi di sostenibilità che è stata fatta, che è stata presentata per i capoluoghi italiani, è emerso in qualche modo che le città portuali, quindi i capoluoghi dove c'è un porto marittimo, sono in qualche modo avvantaggiati dalla presenza del porto, oppure lo scalo marittimo mediamente può essere invece un fattore di, diciamo così, zavorramento per il raggiungimento degli obiettivi, ecco, di sostenibilità, che sono stati declinati. Grazie, grazie per la domanda. Ovviamente resto a disposizione anche in futuro se ci fossero domande e io dovessi non essere più qui presente. Allora, non è considerato ovviamente una zavorra i vari porti, non hanno dimostrato un risultato molto diverso dai comuni capoluogo che non presentano realtà portuali. E questo può essere dovuto come effetto sia al fatto che davvero non esistono differenze, anche se io non ne sono convintissima, ma forse a un canceling delle positivo rispetto magari alla connessione con la città in termini di impatto finanziario ed economico e il canceling con l'impatto negativo che può avere dal punto di vista ambientale. Quindi questo risultato, diciamo, omogeneo potrebbe essere appunto dovuto al fatto che sì, ovviamente avere un porto, avere un vantaggio dal punto di vista delle connessioni con altre realtà, uno scambio merci molto alto, quindi anche vantaggi finanziari, economici, quindi dal punto di vista appunto degli scambi un beneficio, ma dall'altro lato è comunque impattante molto tutta la questione delle emissioni di CO2 in ambiente. Ecco, quindi probabilmente bisognerebbe fare appunto delle analisi ad hoc per capire qual è, diciamo, la sinergia oltre ai DOF rispetto a questi ambiti, ma sicuramente potrebbe essere una strada. Je le dis aussi pour le public, Madame Cavalli, de se déconnecter un peu avant. Donc, si vous avez des questions sur ces discours, je vous prie de bien vouloir le poser tout de suite. Mais pour les autres questions, je préfère de regrouper les questions à la fin. Donc, dans ces cas seulement, si vous avez des questions, je vous demande de bien vouloir les poser maintenant. Merci. La seule chose que je peux demander au bénéfice des partenaires du projet est que si de la recherche est présentée pour les chefs de lieu italiens, il a émergé que les villes portuaires, donc les villes où il y a un port maritime, sont donc avantagées par la présence du port. Et dans d'autres cas, peut-être, les ports peuvent être un facteur qui entraîne des difficultés pour ce qui est des objectifs de durabilité qui ont été déclinés. Merci pour la question. Donc, je reste à votre disposition même après, s'il y a des questions et même s'il n'y a pas, si je ne serai plus là. Donc, cela n'est pas considéré comme une difficulté. Donc, les différents ports ne sont pas considérés comme une difficulté. Il n'y a pas, mis en évidence, il n'a pas été mis en évidence, donc, une difficulté dans ce sens. Il n'y a pas de différence véritable. Je ne suis pas totalement persuadée de cela.
Mais il y a de toute façon un effet positif par rapport à la connexion avec la ville pour ce qui est de l'impact financier et économique. Et le catering avec l'impact négatif du point de vue environnemental. Donc, les résultats homogènes peuvent être dus au fait que le fait d'avoir un port, donc d'avoir un avantage du point de vue des connexions avec les autres réalités, un échange de marchandises, des avantages économiques, financiers, du point de des échanges, il s'agit d'un bénéfice. Mais tout cela a un impact très fort. Donc, les émissions ont un impact très fort dans l'environnement. Donc, probablement, il faudrait faire des analyses spécifiques pour comprendre la synergie et le trade-off par rapport à ces thèmes. Mais peut-être donc c'est le parcours à faire. Merci, merci encore. Donc, notre projet Monacumen a à faire justement sur les effets négatifs du bruit. Donc, l'autre volet, donc, l'autre face de la médaille. Donc, je donne la parole à Messier Corrado Schenone, professeur de l'Université de Gênes. L'Université de Gênes, avec Arba Toscana, a présenté dans le projet Monacum, a représenté le partenaire scientifique qui ont aidé les ports pour la préparation des cartographies acoustiques et pour la préparation des systèmes de monitorage de suivi. Je vous donne la parole. Merci. J'espère que ma voix arrive très claire et l'image que je suis en train de projeter est bien visible. Est-ce que vous voyez très bien, vous voyez bien donc la présentation? Oui, bien sûr, on peut voir vos diapos. Vous pouvez partager donc votre écran. Attendez, je vais essayer de partager mes diapos, hein. OK, maintenant on les voit très bien. Je voudrais remercier tout d'abord l'autorité portuaire de Livourne et notamment Riccardo qui coordonne le projet Monacumen, Riccardo Di Effectivement, Meglio. on voit pas, Et on je voit le remercie pour le thème, le sujet qu'il m'a proposé. Il s'agit d'un thème très intéressant, d'après moi. Il m'a obligé en effet à faire le point sur la situation au début du projet Monacumen et au début du cluster de projets du programme Interreg maritime Italie-France, qui nous concerne comme, en tant qu'autorité portuaire, et Décibel, afin de comprendre si on avait fait des pas en avant, donc des progrès au cours de ces programmes aussi. Mon évaluation est totalement positive. Excusez-moi, est-ce que vous entendez? L'investissement On n'a fait par pas l'Union de slide européenne à sur un l'écran. territoire qui n'est pas très grand, de 10 millions d'euros, a été un investissement qui s'est Vous avéré n'entendez et est pas en train de s'avérer salle française? très important Ça et va? rentable à partir d'une situation Est-ce que vous entendez les Français? Attention faible, de conscience Oui. faible sur l'état des ports, l'état duquel on partait, Ça y est, on ça arrive. commençait, au-delà de Voilà. certains éléments spécifiques, était un état de négligence pour ce qui est de ce thème. Pour d'autres vecteurs de transport, des chemins de fer aux aéroports, au trafic routier, il y avait une sorte de tradition d'études et un niveau de connaissances considérable, développé et approprié. Mais pour le port, n'était pas de même. Et pour toute une série de motifs, les ports ont une situation très spécifique et différente par rapport aux autres sources de bruit liées au transport. Dans le port,
plusieurs sources de bruit sont interconnexées. Donc, cela rend le phénomène de l'impact acoustique dans les ports très complexe. Le cadre réglementaire n'est pas consolidé et la présence de plusieurs autorités sanitaires dans le port, les autorités locales, les compagnies de navigation, etc., rend tout cela très, très complexe. Le bateau est une source de bruit, car le bateau a des caractéristiques spécifiques très, très complexes. Le bruit est généré dans la zone portuaire, mais aussi à l'extérieur des véhicules qui partent du port. Donc, un cadre de départ très particulier, complexe, par rapport auquel l'engagement d'études, de recherche, d'analyse a été très important. Un état de l'art qui n'est pas particulièrement avancé par rapport à des effets du bruit sur la population très important, très considérable. Le classement de EcoPorts, depuis quelques années, identifie le bruit, l'un des impacts environnementaux plus importants. Qu'est-ce que nous dit ces classements? Donc, après les émissions dans l'air et après les impacts en termes d'émissions de gaz qui altèrent le climat, le bruit, la nuisance, représente un élément important pour l'impact qui influence beaucoup la qualité de vie des citoyens. Cela ressort des recours que les autorités locales et territoriales reçoivent. À l'intérieur des projets du cluster, on a reçu donc des déclarations et les comités donc reçoivent donc la responsabilité de faire face à ces rapports difficiles. Donc, pourquoi dans les passés, on a eu une faible attention des institutions dans les passés? L'impact est fort, mais cet impact va intéresser par un pourcentage assez faible de citoyens. Donc, la possibilité d'avoir une influence sur les institutions est faible. Pour ceux qui vivent dans les alentours du port, les problèmes sont considérables. J'ai rencontré une personne qui me disait « Je suis en train de chercher une maison plus lointaine du port car je n'arrive plus à vivre avec cette situation, dans cette situation. » Le bruit donc frappe les activités quotidiennes et interfère avec le repos. Les interports commerciaux travaillent 24 heures sur 24 heures. Donc, les quais pour les passagers a un impact très fort aussi. Et cela a un impact sur les citoyens qui résident dans les alentours du port. Et cela est inacceptable pour les citoyens. Il s'agit d'un problème complexe. Un fort impact sur la population exposée, un cadre réglementaire faible, des normes, règlements techniques très spécifiques, une directive européenne active 2002-49 qui concerne l'impact acoustique sur l'environnement, mais de toutes les sources, qui n'est pas donc spécifique pour le port. Des normes nationales qui en Italie sont faibles, donc il n'existe pas un décret spécifique pour les zones portuaires, par exemple, et des règlements volontaires qui commencent à émerger, mais qui concernent seulement les bateaux et pas les ports. Il est clair qu'il s'agit d'une situation qui exige des développements, exige des investissements pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on doit affronter donc. Il faut définir les sources du bruit, les bateaux,
sont la source principale de bruit dans le port, mais seulement la seule. Il y a toute une complexité liée aux conditions opérationnelles. Le bateau, à différence des véhicules routiers ou ferroviaires ou l'avion, le bateau est très complexe. Il s'agit d'une somme de sources. Et plus on étudie ces phénomènes, et plus on se rend compte de cela. Au-delà des bateaux, les grues et tous les dispositifs pour les transports et la manutention des mers, des marchandises, engendrent du bruit. Il faut différencier ici. Donc, il y a une difficulté à standardiser donc la question, à définir exactement les caractéristiques de chaque grue, car chaque grue est différente de l'autre. Chaque opérateur travaille de manière différente avec la même grue. Donc, le problème devient de plus en plus complexe si on considère tous ces facteurs. Donc, je parle de grue, mais le grue engendre toute une série d'outils. Donc, il faut deux outils qui soient plus silencieux. Donc, il faut deux moyens de manutention électrique, donc qui engendrent et qui génèrent moins de bruit, mais qui ont d'autres dispositifs qui engendrent d'autres types de bruit. Donc les chantiers sont très spécifiques. Les chantiers opèrent comme une zone industrielle. Et donc il faut définir un système de source de bruit difficile à contrôler et mitiger. Tout cela génère du bruit dans le port, mais aussi dans la ville. Ce type de problème est généré aussi par le trafic routier et ferroviaire. Et donc l'impact est vraiment énorme de ce point de vue. Donc, nous sommes partis de la conscience des difficultés de la difficulté de définir les bruits, le port. Il n'y a pas un seul port, il y a plusieurs ports. Nous avons à l'intérieur de la même réalité portuaire différentes situations, avec des sources qui se superposent, avec des sources dans les ports et hors du port qui se mélangent, avec une opérativité du port qui s'interconnectait avec les ports touristiques. Donc, il y a un cadre vraiment très très complexe avec des spécificités qui les différencient. Il y a d'autres problèmes qui ont émergé lors du développement de Monacoumen et des activités du programme Interreg. Les sources qui se superposent, donc il est difficile d'extraire, de tirer l'information intéressante pour l'impact acoustique du port. Les bateaux qui sont de plus en plus une source de bruit qui nous échappe. Il y a quelque temps, on cherchait de connecter le bruit avec la typologie de bateaux. Des bateaux produits par le même chantier ont des impacts différents, par exemple. Des bateaux qui deviennent de plus en plus grands. Vous pouvez les voir dans les images ici, surtout à gauche. Il y a une comparaison d'un bateau de croisière et d'un autre bateau. Donc, tout cela rend de plus en plus difficile de faire une analyse. Un navire, un bateau grand génère une zone d'ombre très, très importante et cela rend très difficile la caractériser. Donc, il y a beaucoup de questions ouvertes au début du projet et quelques réponses que ce projet Monacoumen a été à même de fournir. Nous avons fait des pas en avant, vraiment. Et il a été un plaisir pour moi de présenter cette intervention car j'ai l'occasion de m'occuper de quelque chose de différent et de m'interroger sur les progrès que nous avons faits. Nous avons fait beaucoup de progrès
et en différentes directions. Tout d'abord, nous avons développé des techniques de mesure innovantes. Et de ces progrès, je vais en parler ensuite. Nous avons appris à mieux analyser donc, les informations acquises à travers des systèmes traditionnels. Mesure donc à travers des technologies nouvelles et d'autres technologies traditionnelles. Nous avons commencé à développer des bases de données interactives permettant de capitaliser les informations que nous avons. Il s'agit d'un élément important car les informations qu'on avait étaient très désorganisées et donc il était difficile d'accéder à ces informations. Donc on a fait des progrès pour ce qui est de l'utilisation des informations jusqu'à avoir une cartographie du bruit dans les ports. Très brièvement, quels sont les développements dans le cadre des mesures adoptées? L'introduction de la technologie d'information, donc l'utilisation des acoustic cameras. Il s'agit d'arrêts de microphones, de micros, une matrice donc de micros qui analyse les signaux acoustiques en restituant en sortie une description chromatique visuelle du champ sonore. Elles permettent d'identifier les rôles des différentes sources. Donc, j'ai la possibilité de sélectionner une source plutôt qu'une autre. Cela résout deux des problèmes les plus importants de la caractérisation du bruit portuaire. Je ne peux pas me rapprocher aux sources. L'acoustic camera est la manière pour faire face à ces problèmes. Donc, je peux définir à l'intérieur du champ sonore les différentes sources en les analysant. Les bateaux, par exemple, qui est en train de débarquer des conteneurs sur des camions, et j'arrive à analyser exactement les bruits de chaque source. Je peux aussi, j'espère avoir partagé l'audio, est-ce qu'on arrive à entendre? Un peu de patience, s'il vous plaît, parce qu'il vaut la peine de faire un pas en arrière pour partager ces audios. Je voudrais partager la présentation incluant l'audio. Peut-être vous l'entendez maintenant. Je vous donne l'impression plus réalistique de ce dont on parle. Il est possible aussi, donc il s'agit des mesures qu'on a fait hier, donc. Et ces caméras analysent les émissions qui viennent donc d'un ferry à l'intérieur du port de Gênes. Et c'est là dans l'idée donc du bruit. Et cela permet d'analyser en détail la source de bruit. Lorsqu'on commence à analyser l'acoustic caméra, on s'aperçoit qu'on se demande comment on pouvait se passer de cet instrument jusqu'à maintenant. Donc, il est un instrument tout à fait indispensable. On ne peut pas renoncer à ces outils pour l'analyse du bruit. Ces techniques ont vraiment accompagné le développement du monacomène. Nous avons commencé à considérer de manière plus consciente donc l'analyse des mesures faites avec le phonol. Vous avez ici un phonogramme qui analyse les fréquences propres du signal acoustique et en bas donc un autre graphique qui requiert une analyse à même d'extraire de cette histoire temporaire qui incluant toutes les sources qui influencent le phonomètre formé par plusieurs éléments. Cela permet donc d'extraire l'analyse
et la contribution. Et il s'agit d'un élément clé avec lequel on a, entre guillemets, lutté plusieurs fois. Donc, à travers cela, on veut reconstruire le bruit du port en distinguant d'autres sources, par exemple les sources ferroviaires, routières, etc. Donc, cette activité jusqu'à maintenant a été faite avec une approche holistique. Maintenant, on a une approche numérique. Les bases de données interactives. Donc, cela peut sembler quelque chose de normal. Donc, lorsqu'il faut caractériser une source, il faut se demander si quelqu'un l'a déjà fait. Et parfois, on reçoit la réponse trop tard. Donc, à la fin, on s'aperçoit que quelqu'un d'autre a fait la même mesure et donc on a perdu du temps, par exemple. L'intention est de rendre accessible de manière ordonnée, organique, les données à disposition, les identifier et classer selon les sources et incluant la quantité la plus grande d'informations. Cela peut sembler une activité simple. On s'est demandé d'où on était parti. On est parti d'une situation où les données étaient peu et non organique. Donc, il faut aller vers un partage de données. Knossos est le code numérique que l'Union européenne a choisi pour l'analyse des sources sonores, couvre de manière relative le thème du bruit portuaire. Elle assimile donc le bruit du port au bruit d'une installation industrielle. Nous savons que ce n'est pas le cas. Donc, dans l'activité du cluster et dans le projet report, on a développé un module spécifique pour la modélisation du bruit portuaire qui tenait compte de cette spécificité. Donc, il y a une source bateau qui peut être développée encore. Finalement, la modélisation part de quelque chose qui restitue, qui donne, qui représente le bateau, en permettant de créer une analyse de champ proximal, par exemple l'impact sur les travailleurs du port ou sur les récepteurs qui sont plus proches au port, et de créer des maps, des cartes qui concernent les champs remotes. Donc, l'analyse du bruit, même dans des distances très larges. Parmi les caractéristiques du bruit du port, il y a aussi l'incidence à grande distance, car le bateau émet des bruits à basse fréquence et donc le bruit arrive à des distances très très surprenantes. Et donc il s'agit d'un impact très considérable. Donc, la cartographie acoustique stratégique, il s'agit d'un but attribué à ceux qui gèrent le port, mais qui était jusqu'à il y a quelque temps un exercice incertain, car on n'avait pas les instruments pour caractériser et cartographier les bruits, ni pour modéliser. Donc, il fallait partir avec une analyse pour caractériser le bruit à mitiger. Donc, il s'agit donc de but final, donc une analyse qui ne donne pas de bénéfice pour les citoyens en amélioration de la situation, pour améliorer la qualité de la vie pour les citoyens qui vivent, qui habitent dans les entours du port, n'aurait pas une valeur véritable. Ces projets veulent influencer les territoires. Il s'agit de projets de coopération transfrontalière qui influencent les territoires, un territoire précise. Et donc, on veut tirer un bénéfice de cela afin de réduire donc le bruit avec des interventions de mitigation. Je m'excuse, je parlais un peu trop peut-être, mais je voudrais dire encore que quels sont les parcours qu'on peut emprunter. Il n'existe pas une action qui arrive vraiment
à éviter l'impact acoustique du port. Il y a plusieurs actions qui peuvent être empruntées, chacune avec un résultat partiel mais important. L'identification donc des quais qui permet d'éliminer les bruits des générateurs allumés, les interventions sur les places proches des bateaux avec des espaces phono-absorbants et des interventions spécifiques sur les zones d'appui pour les rampes des bateaux dans les cas de ferry par exemple. Réalisation de dunes ou obstacles entraves à la propagation du son, ce qui a été testé donc tout récemment dans le port de Prague et dont les effets sont en train d'être évalués. Une gestion des amarrages à travers des politiques d'encouragement. Il s'agit d'un aspect qu'il ne faut pas négliger. L'autorité de Livourne est impliquée dans le projet. Une correcte gestion du port a des bénéfices même dans ces sens. Réalisation aussi de bateaux qui émettent moins de bruit. Et cela doit donc s'appuyer sur la réglementation. Où nous en sommes maintenant? En résumé, nouvelle méthode de mesure, des modèles innovants de calcul permettant une évaluation pas seulement qualitative, mais quantitative de l'efficacité des interventions. La réalisation de clusters de compétences locales et importantes au niveau européen qui a permis la croissance de compétences entre les jeunes, parmi les jeunes. Hier, je me suis aperçue qu'il y a un réchange des générations. Donc, il y a des gens qui s'occupent de cela. Donc, les progrès nécessitent de l'engagement de personnes et cela a permis de donner les compétences aux jeunes. Donc, une collaboration authentique parmi les parties prenantes. Il s'agit de quelque chose qui est très important. Et d'impliquer de plus en plus donc les secteurs privés et donc les armateurs, etc. Cela est la perspective qu'il faut se poser, se donner pour atteindre des résultats qui donnent une amélioration réelle de la qualité de la vie des personnes. Car si l'on veut des ports en développement constant, de manière durable, qui représente une ressource pour le territoire et non un poids, un enrichissement, un bénéfice pour le territoire et non une servitude, il faut aller dans cette voie. Donc, il faut faire ça. Je m'excuse pour le temps en plus que j'ai pris et j'espère que je vous remercie. Au revoir. Merci, 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 Finone. Merci, merci pour cette intervention qui nous a permis en fait d'encadrer les projets dans la commune dans le cadre des clusters de la pollution acoustique. Je vous rappelle que plus en avant, Méliane Damien va intervenir dans les commissariats techniques conjointes du programme maritime France-Italie qui va nous permettre d'avoir l'envergure des 360 degrés sur ces projets. Voilà, à ce moment-là, je passe le micro au Dr Gaetano Licitra, qui est directeur du département ARPAC de Pise et responsable de la commission agent physique et surtout au sein du projet Monac Humaine, va présenter avec ARPAC Toscane une référence scientifique très importante pour ce qui est des ports dans l'actuation de la mise en œuvre des investissements d'assainissement du monitorage acoustique prévu. Je demande à Gaetano également de partager dans la mesure du possible la présentation à l'écran, comme ça on va la projeter en même temps dans la salle française, si possible. Est-ce que vous la voyez? Attendez un moment, peut-être que j'ai partagé l'écran. Voilà, est-ce que... Tu peux me la transmettre par mail en même temps, parce que comme cela, on va la projeter aussi pour la salle française. Est-ce que ça va? Vous voyez, tout le monde, ça va? C'est clair? Moi, oui, je la vois. Merci, merci. Bonjour à tout le monde. J'ai préparé un anglais, tout en espérant que cela puisse faciliter
la traduction, donc les tests, la compréhension, enfin, pour tout le monde. L'objectif de ma présentation, après cette intervention très belle de ce qui m'a intervenu, notamment Corrado, mais même la première intervention, bon, je vais cibler sur les détails et sur les sujets des mon commun, qui était la réalisation de systèmes de monitorage à long terme. Donc, il s'agit d'un projet orienté à fournir des résultats dans le temps, pas seulement car des œuvres sont réalisées, des infrastructures, notamment ces cas-là de monitorage, des systèmes de monitorage qui doivent continuer à vivre après le projet. Donc, c'est un projet projeté sur l'avenir, hein, permettez-moi de dire. Voilà. En fait, nous avons déjà vu, par le biais des premières présentations, comment le trafic maritime est en forte évolution, comment il peut être, comment peut provoquer des problèmes au port, aux résidences, pour ce qui est adjacent. Donc, cela a été objet, entre autres, du point de vue sociologique, d'une enquête acoustique dans les projets REP. En tout cas, évidemment, ces conditions ont été les bases, hein, pour avancer dans la définition de projet, sa présentation, etc. Et ce sont les points de départ. En fait, la réduction du bruit et donc la réduction pour les citoyens est la clé de l'autre. Voilà ce qu'ont compris les autorités portuaires. Donc, il y a enfin une convention que le port est une réalité très importante, mais qui doit considérer en même temps de ses impacts, hein, ce qui mène à gérer des façons différentes et à planifier et à réaliser des façons différentes des choses innovantes. Voilà, c'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas anodin, car comme on a vu des indications, comme Corrado l'a dit tout à l'heure, le port est une réalité complexe, riche, mais en même temps difficile à traiter. Voilà. Nous avons déjà vu, en fait, comme il y a un pléthore de sources, la cohabitation d'infrastructures de transport différentes, la proximité à la ville, et en fait, en général, il y a une pénurie des standards communs, on va dire, des indications dans un cadre réglementaire et technique qui permet aux autorités portuaires, quelque part, d'accomplir leurs tâches. En parallèle à ces concepts techniques, si l'on veut, il y a également un problème culturel. Donc, il faut axer sur la croissance. Hein, donc, il faut accroître la sensibilité. Donc, il faut sensibiliser les acteurs du port. Hein, il faut impliquer les metteurs en œuvre, et changer les modes opératoires. Il s'agit d'un parcours encore plus long par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, les changements des comportements ont besoin de temps, enfin, de se mettre en place. Voilà que le projet Monacumène s'en sert au sein de ces clusters. Hein, vous voyez là, il y a d'autres projets similaires y représentés, et partiellement, et Corrado, dans les grandes lignes, l'a illustré tout à l'heure, des objectifs de différents projets, notamment Rambol, Deschibel, là où ils proposent des solutions, évidemment, de façon expérimentale, locale, partielle, hein, si l'on veut, mais il s'agit d'expériences qui trouveront une application plus concrète dans l'avenir, hein, évidemment. Donc, il s'agit d'une expérimentation qui va être consolidée et qui va démontrer une certaine efficacité par le biais des interventions menées jusqu'à tout à l'heure. Donc, on a parlé des rapports, là, on a parlé des modèles. Des modèles, donc, la possibilité de prévoir ces niveaux à distance en adaptant le modèle à la réalité portuaire, ce qui manque au niveau européen. Pourquoi? Parce qu'en fait, la directive européenne 49/2 prévoit des modèles standardisés, notamment, il n'y en a pas un spécifique qui concerne le port. Donc, quelque part, on a cherché à combler ce vide.
Et d'autres projets, en fait, liés à la partie logistique, la plateforme logistique, la gestion de transit, etc. Il s'agit des facteurs qui produisent du bruit. Donc, il faut agir sur les causes, en même temps, monocouleur, et quelque part, les projets qui vont certifier l'état des lames, pour ce qui est du bruit, les systèmes qui vont permettre dans le temps d'évaluer l'efficacité des interventions, mais également d'évaluer la capacité d'une gestion différente, tant logistique qu'opératoire. Donc, il a un rôle central de ce côté-là, car il détermine, tout comme un auteur, l'état d'avancement de la réalité portuaire et de l'efficacité des interventions menées. Donc, voilà, nous sommes démarrés avec ces projets dans l'objectif d'améliorer la durabilité du port et donc réduire le bruit, même à travers des actions de planification, le planning. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on pense à réduire les bruits, on pense à la barrière. Enfin, la barrière est efficace dans certaines situations pour ce qui est de l'environnement et est fonctionnelle. Mais elle ne peut pas la seule solution, elle ne peut pas être la seule solution. Il y en a d'autres, évidemment, mais ce qui nous intéressait dans le cadre du projet était démarrer du mappage acoustique, c'est-à-dire du niveau des pressions sonores acoustiques étendues dans l'espace, donc dans la population, pour ensuite passer à la planification du monitorage par les biais, surtout, d'une approche commune, car si on veut mettre à système les résultats et les partager, qui puissent nous donner la possibilité d'avoir une photographie de la situation, de l'impact transfrontalière de ce problème, c'est-à-dire la possibilité de confronter les résultats et l'efficacité des interventions menées, réalisées, afin de transférer les bonnes pratiques, il faut pas seulement mesurer, mais il faut mesurer de la même façon, évidemment, les bruits, et mesurer d'une façon telle à obtenir des données des sorties qui puissent être rapportées, confrontées entre eux, et donc permettre aussi l'évaluation de l'efficacité de ces gestions du bruit et en même temps du système de monitorage, vérifier si et quand ce système est réalisé en termes de coûts et bénéfices, atteint des valeurs qui justifient les mêmes investissements dans d'autres réalités. Vous voyez, donc il s'agit d'un projet expérimental, évidemment, et il faut être vérifié afin d'être traduit et transposé dans les bonnes pratiques. Donc, la première partie du projet était la définition des spécifiques des systèmes de monitorage. Voilà, que l'on a fait à partir de la législation en vigueur, hein, qui est même différente, entre autres, hein, dans différents États, notamment en France et en Italie. En Italie, il y a une normative réglementaire, hein, qui est en 1995 par rapport à la française, qui a mené des choix différents. Donc, quand on a fait une confrontation, l'Italie était plutôt orientée vers l'expérimentation déjà à cette époque avancée, pointue, on peut dire, là, après toutes ces années, voilà, définir commune, hein, voilà. Donc voilà un premier regard qui nous a fourni des indications sur la flexibilité, la souplesse qu'il faut adopter sur certains choix. Et ben, tandis que sur d'autres, avoir la possibilité d'être souple, voilà, d'être sur certaines solutions pour avoir des résultats confrontables. Avoir ensuite des indications, matériel, après logiciel, c'est-à-dire les systèmes d'information, donc la capacité de réaliser des plateformes de communication, même pour l'échange de données, évidemment, était le défi suivant. Et ben, ce qui s'est rajouté à l'hypothèse de pouvoir traiter les données en temps réel ou bien en temps semi-réel au fil de l'eau. Ben, les données pour ce qui est du bruit, on peut les fournir, mais après, elles doivent être validées, évidemment, hein. Les niveaux sonores relevés par un phonomètre, ensuite, est générique, vous voyez. Donc, il faut. Les phonomètres est un niveau équivalent qui est la moyenne énergétique de tout ce qui arrive. Hein. Ben, il fait pas le tri, hein. Les phonomètres ne vont pas faire les tri, évidemment. Hein. On l'a vu hier dans un slide de Corrado, la source, hein, du bruit. Donc, il y a un pléthore, un ensemble, un paquet de données qui représentent l'énergie
que les récepteurs peuvent recevoir, mais en même temps, on n'est pas capable de faire les tri. Donc, il faut être à même à éliminer les bruits sombres qui ne sont pas strictement liés au monitorage que l'on est en train de vouloir faire. Donc, le niveau sonore peut être très élevé, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'objet de l'enquête. Donc, cross-processing analysis, l'analyse croisée est très importante. Donc, matériel et logiciel ont été fournis des spécifiques, évidemment. Après réalisé par les autorités portuaires dans la plupart des cas, afin de fournir les résultats et des informations pour ce qui est de plateformes, voilà, très importantes, elles sont très importantes car elles doivent permettre d'informer les citoyens. Voilà, un des objectifs les plus importants pour l'Union européenne, ce n'est pas seulement faire les mappages sonores, d'accord, mais également informer les citoyens, donner aux citoyens la possibilité de s'apercevoir dans quel environnement ils vivent. Hein. Donc, faire des comparaisons pour les villes et la capacité de faire face à ces problèmes. Si je dois confronter Marseille et Gênes, par exemple, et découvrir que Marseille, ont adopté certaines solutions, donc ils ont amélioré l'environnement sonore, ce qui Gênes n'a pas fait, et donc voilà, ou vice-versa. Donc la possibilité d'être critique, vous voyez, d'appeler à la protestation, mais avec des données objectives. Alors, on ne va pas faire une plante, c'est basant sur une sensation, vous voyez ce que je veux dire. Donc la clé d'accès aux données par les biais des différents profils. Donc les citoyens doivent pouvoir être à même avoir accès aux données, mais en même temps, les gestionnaires du système doivent opérer sur les données avec un profil différent, évidemment, de façon un peu pointue, afin et ensuite arriver à l'administrateur, donc différents niveaux d'accès. L'administrateur doit accéder à toutes les données et pour les valider éventuellement, etc. Et j'en pense, tout en faisant des différentes logs, des différents niveaux d'accès, et voilà. Donc, la plateforme doit permettre d'avoir un dashboard, donc un clavier pour télécharger les données, les visualiser, et effectuer un monitorage. Donc, les outillages, l'outil, l'instrumentation, donc je ne vais pas rentrer dans les détails là, de toutes les spécificités techniques nécessaires et prévues dans les normes réglementaires internationales et donc internationales par la suite. Donc, la clé du système est avoir des données fiables, nées dans le calibrage auprès des centres certifiés au niveau national, international. Les phonomètres doivent être démonter, vérifier les pièces. Et donc, il faut assurer au fil de temps un système de calibrage qui puisse vérifier les résultats des outils fiables dans le temps. Donc, les phonomètres sont à être vérifiés une fois par an pour être sûr et certain qu'ils mesurent de façon efficace avec la gamme dynamique. Hein. Donc, pour mesurer des niveaux très bas, quand voilà, il y a un bateau qui est à l'arrêt, et on perçoit quand même des bruits de fond, loin de l'activité du port, jusqu'à des niveaux très élevés, pour ce qui est des activités de chargement et déchargement liées au dépôt, au stock, voilà. Ces activités transitoires, même sur des containers, des camions en fer. Donc, vous imaginez les bruits, c'est très, très fort. Donc, l'analyse des fréquences, donc identifier les tendures, connecter à des activités spécifiques ou bien des outillages pour des systèmes de conditionnement de l'air, par exemple, pour lesquels nous avons des systèmes avec une fréquence très déterminée. C'est utile hein, car il peut nous aider à reconnaître les différentes sources du bruit. Donc, c'est un système qui doit être à même à permettre un enregistrement audio des effets sonores pour pouvoir les réanalyser en post-processing et mettre en évidence des phénomènes de points sombres ou bien d'autres phénomènes parce qu'on arrive à les analyser en fréquence des sons afin de reconnaître la source qui a provoqué ces bruits. Donc, des outils, un appareillage très puissant, des outils très puissants qui sont à même à identifier les sources
Donc, il faut donner un threshold, il faut donner un seuil, affecter un seuil, et ben, avec une cadence très rapide, si l'on veut, afin de mener ce type de travail, cette analyse, cette élaboration. Avec ceci, nous avons prévu des stations météorologiques qui permettaient d'évaluer la température, la vitesse du vent, la direction, la présence de précipitations, d'humidité. Il s'agit des données fondamentales utiles à la validation. Évidemment, quand il y a un vent tendu, le niveau sonore est plus élevé. Hein. Il y a une réponse. La norme prévoit que si cela dépasse 5 mètres par seconde, qui correspond à 18 km/h, donc vous comprenez très bien que bien souvent, dans les activités portuaires, notamment à Cagliari, il s'agit d'un événement qui puisse se produire. Donc avoir des niveaux très élevés dans des conditions météorologiques défavorables, mais les systèmes... des monitorages à donner, à fournir des données de façon plus fiable ou moins. Donc voilà d'où l'importance de la validation de ces données. Donc cette partie préparatoire thermique est primordiale à la préparation et l'installation des systèmes. Ces systèmes ont été installés à Cagliari, La Spezia, à Livourne, à Bastia, était encore en train de construction, hein. Au moins qu'on n'a pas l'info pour le moment. Afin de définir les stations, les postes où placer ces centrales, ces systèmes de monitorage des activités portuaires ont développé à son tour. Nous, en tant que partenaires scientifiques avec ARPART, on a défini les modes de définition de mappage, tandis que les autorités portuaires ont procédé à la réalisation des maps même. Donc, il y a la notion de map dominante. Qu'est-ce que c'est? Les maps dominantes, c'est vraiment une innovation dans le mappage acoustique international, je dois dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, les maps acoustiques, elles sont nées avec une norme européenne en 2002, implémentée en Italie en 2005, bon, il y a 16 ans déjà. Il y a déjà eu 3 rounds complètes. Le prochain est prévu en 2022, donc le quatrième. Donc, il y a une grande expérience acquise déjà, sur la base de laquelle nous avons développé cette idée. C'est-à-dire la possibilité de représenter dans une seule map, mais mettant en évidence la source, la cause du bruit, les niveaux sonores. Donc, la couleur différente représente l'intensité du son. La forme du symbole utilisé au centre de la map représente la cause. Voilà, une façon graphique très utile, à mon avis, afin de identifier facilement, même pour un citoyen, quelles sont les choses pour lesquelles se plaindre. J'entends un bruit, d'accord, j'entends un bruit, mais quel bruit? Les bateaux. Ok, allons en voir si c'était les bruits de, vraiment des bateaux ou d'autres sons, parce qu'il s'agit d'une donnée très importante pour les actions de mitigation, pour affecter les responsabilités en même temps, est très importante pour planifier les interventions de mitigation. Comment peut-on savoir la cause d'un bruit? Chaque modèle mathématique est associé à un courant sonore dans l'activité, c'est-à-dire il faut faire des simulations mathématiques avec les méthodes connues et même avec les méthodes innovantes mentionnées par Corrado aussi. Les symboles, vous voyez les symboles. Donc, les ports est représenté par les carrés, les bateaux par les triangles, les cercles, c'est les trafics. Comment peut-on être sûr qu'il s'agit de la source prédominante? Car tout en connaissant les niveaux sonores affectés à chaque source, on est à même à comprendre quand une source est prépondérante sur les autres, au moins des 3 décibels. C'est-à-dire, il s'agit, enfin, on est à même à reconnaître, dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, parce que parfois, il n'y a pas une prédominante. Alors là, nous avons mis un cercle blanc, vous voyez là, donc une zone plus vaste. Là, il n'existe pas une source prédominante. Donc, tout en exploitant cette technique, accès à l'évaluation des différentes sources dominantes, nous avons bâti et construit ces maps. Voilà, la map de Cagliari, donc, qui a été la toute première à être réalisée. Et là, vous voyez que le choix est associé au risque. Donc, la possibilité que cette source
produisent un impact majeur par rapport aux autres et sur les citoyens également. Donc, il s'agit d'un axe routier. Ça, c'est la zone habitée de Cagliari. Là, il y aura un poste. Voilà, la station, ça sera placé là pour le monitorage du trafic sonore. Donc, on va monitorer pour on va faire les suivis pour chaque compétence. Là, c'est les bruits navals. Là, c'est les bruits des actions transitoires de charge et des charges. Et là, il y a les trafics routiers. Donc, un système de monitorage qui n'est pas aveugle hein, par rapport aux sources, mais qui est à même, depuis le début, d'identifier les causes et de fournir une lecture des données plus pointues et facilitées. On a traduit tout cela concrètement à Cagliari avec les points de mesure, hein, les stations de mesure, avec les stations météorologiques qui sont nécessaires. Là, il y a une slide avec toutes les stations mises en œuvre, mises en place, montées. Hein. Donc, les systèmes fonctionnent avec les logos bien placés au bon endroit. Et Ricardo, qui était, je le dis, un grand cœur, donc un grand chef de recherche. Hein. Ce type de projet se réalise quand on a un guide persuadé et capable. Donc, merci à Ricardo. Et donc là, les maps dominantes, vous voyez, du port de La Spezia. Et bien, une réalité encore plus complexe hein, où la map nous aide davantage à comprendre. Il y a un pléthore, là, hein. Il y a les trafics ferroviaires, mais vous voyez aussi les impacts sur la ville, ils sont négligeables dans cette zone très à grande proximité du port avec la contribution des différentes sources. Là, vous voyez la localisation des stations de monitorage, 1, 2, 3, 4, qui ont bénéficié de la localisation des sources. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, une autre chose très positive est que on sait que par rapport au modèle que l'on peut utiliser, quelle pourrait être la contribution apportée dans le temps et comment peut-elle changer dans le temps si on l'alimente avec les données des sources dans l'évolution du temps. Nous sommes à même à prévoir le niveau sonore que l'on va mesurer avec le système de monitorage. Et donc, si on a bien placé le système de monitorage, on aura une possibilité majeure pour évaluer les résultats du modèle et d'avoir la bonne confirmation de l'efficacité de ces dernières. Voilà les plateformes qui ont été utilisées. Voilà Cagliari et La Spezia, car ils ont profité du même approche logicielle, donc elles semblent similaires. Elles sont très efficaces, je crois, pour voir l'évolution dans le temps, les couleurs, le niveau, etc. Et j'en passe. Et la possibilité de cliquer là-dessus, sur chaque poste de monitorage, connaître en temps réel les niveaux de sonore. En fait, les dashboards, avec toutes les possibilités de vérifier de la part de l'usager, l'activité portuaire, les batteries, par exemple, l'état des fonctionnements du système de transmission de données, des fonctionnements en général du système. Et enfin, les rapports automatiques avec la possibilité de voir en contemporaine, en même temps, les données météorologiques, quelles ont été les conditions qu'elles ont déterminé ces résultats, donc s'ils sont validés, à corriger dans le temps, etc. J'en pense. Donc, vous voyez d'autres types d'infos, des niveaux équivalents ou bien même des indicateurs statistiques, vous voyez, c'est riche. Hein? Il y a la possibilité de voir de façon graphique quel est le niveau sonore comme niveau résiduel qui puisse changer et donc associé à d'autres types d'infos également. Donc, je m'approche aux conclusions tout en espérant d'avoir respecté les temps. Eh bien, évidemment, nous avons construit un système de monitorage. Bon, il ne faut pas donner pour acquise que les administrations publiques puissent réaliser à court terme ces œuvres, hein, car il y a un pléthore de difficultés du point de vue bureaucratique, de la paperasse, les lois complexes, et bien du fait aussi que ces systèmes n'existaient pas auparavant. Il fallait les dessiner, il fallait faire la conception, l'installation. Vous voyez, on est arrivé
à faire les essais concrets et avoir des résultats, les mettre en œuvre déjà après un mois d'activité dans certains cas. Donc, vous voyez, nous avons atteint l'objectif, la cible qui était de fournir, nous, en tant que partenaires scientifiques, les autorités portuaires, aux citoyens, des systèmes de monitorage performants. Et c'est là, et la chose très importante, le défi, les challenges est de maintenir tout cela et les exploiter pour le but pour lequel ont été réalisés. Je vous remercie pour l'attention. Merci. Merci à M. Nicitra pour cette intervention qui a précisé le travail davantage que le projet Monacumen a réalisé par rapport à l'état d'art, l'état précédent, et donne une perspective sur ce que les ports peuvent s'attendre pour l'entretien et la conservation en exercice des investissements réalisés. Donc, à ce point-là, on passe au discours de chaque port qui ont participé au projet. Donc, il sera l'occasion d'écouter donc et de voir ensemble les investissements réalisés, les méthodologies utilisées concrètement par chaque port. On commence avec le port de La Spezia, notamment. On parle des investissements. Je donne la parole à Simone Pacciardi, Autorité des systèmes portuaires de la mer Ligurienne orientale, service des relations européennes, projets stratégiques et développement des marchés. Bonjour, bonjour Ricardo, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais remercier tous les participants et notamment je voudrais remercier le monsieur Montani qui m'a donné donc l'honneur de présenter les activités que nous avons déroulé des communs accords au cours de cette période dans le cadre du projet Monacumen. Je voudrais partager l'écran avec ma présentation et mes diapos. Est-ce que vous pouvez la voir? J'espère que oui. Donc, mon discours présente un peu ce que M. Nicitra a déjà présenté et cité pour ce qui est des activités que nous avons déroulées. Mais avant de cela, je voudrais faire une introduction sur les peculiarités du port de La Spezia et donc pourquoi notre DSP, qui a une juridiction sur le port de Maria de Carrara aussi, mais les activités se sont déroulées dans le port de La Spezia, donc a adhéré, a participé avec enthousiasme et intérêt à cette proposition et à ces projets. Comme dans les interventions précédentes, on a rappelé, les ports italiens sont des ports qui ont des spécificités très importantes, un peu différentes par rapport aux ports de l'Europe du Nord, qui sont des ports urbains, donc des ports qui sont donc très connectés et voisins au tissu urbain. Donc le thème du bruit est un thème très important et sensible. Des ports très actifs à l'intérieur du projet Monacumen, donc les ports de Cagliari, de Livourne et notre port de La Spezia, ont une exigence spécifique. Je voudrais vous rappeler que le port de La Spezia est le deuxième port pour conteneurs italiens en tant que gateway, deuxième après Gênes, et donc assure des connexions ferroviaires et maritimes primaire dans le marché italien européen. Le port de La Spezia, en outre, est un pôle qui embrasse un peu toutes les activités du secteur nautique, des chantiers aux activités touristiques, vu la beauté donc de ces territoires, jusqu'aux activités spécifiques telles que l'aquaculture. Je me réfère par exemple à l'élevage des moules, par exemple. Et il représente donc
un pôle très important pour toutes les activités liées du territoire. Comme vous pouvez le voir dans cette map, il y a plusieurs aspects importants. Le projet Monacoumen n'a pas pu donc, pour plusieurs raisons, n'a pas pu donc aborder toutes les sources portuaires de bruit qui font partie du golfe. Donc, il y aurait été un travail énorme. Mais nous avons analysé donc la zone plus intéressante qui aggrave donc la situation de La Spezia. Il s'agit d'un port opérationnel qui travaille 24 heures sur 24 heures, donc 365 jours par an, donc à des lignes de navigation qui nous connectent à tout le monde. Nous pouvons accueillir de navires Panamax, donc vous pouvez comprendre qu'il s'agit d'un golfe ayant un autre trafic. Donc, pour les exigences des économies d'amarrage qui s'affirment de plus en plus donc, dans les dynamiques des marchés mondiaux, l'autorité portuaire a un plan de développement pour les prochaines années qui préconise l'élargissement des zones 5 et 6, donc les zones homogènes du port, et qui se trouve donc dans la partie en face du centre-ville de La Spezia, et qui donc engendreront des activités telles que les croisières dans le cadre homogène 5, dans le cadre homogène 6, il y aura des activités d'élargissement pour les terminaux de conteneurs, pour les opérateurs les plus importants. Et on fera aussi une restructuration de la viabilité donc, du port et de la viabilité ferroviaire. Donc, il faut souligner que La Spezia, à l'heure actuelle, a un pourcentage de plus de 30% de trafic de conteneurs qui est donc transférés sur des trains. Donc, les trafics ferroviaires est donc la bande ferroviaire est parallèle au port, à la mer. Telle que la première bande d'habitation. Donc, on a installé des nouvelles barrières phono-absorbantes tout récemment afin de séparer donc la bande ferroviaire et portuaire des habitations. Et ensuite, on verra l'efficacité de ces barrières. Toutefois, les objectifs écologiques et de mitigation du trafic routier concernant aussi les émissions des routes, sont des éléments qui ont été pris en considération. Tout cela a l'objectif de traduire 1% de trafic ferroviaire de 50%. Donc, vous pouvez comprendre que 50% comporte au niveau de manutention et de bruit, comporte un grand trafic. Tout cela est donné par les exigences que les parties prenantes ont accueillies. Et donc, tout cela a poussé les autorités à faire d'autres études et à chercher d'imaginer un avenir différent. C'est pourquoi notre autorité du système a participé avec enthousiasme à ces projets Monacoumen,
Et on a effectué donc, et j'ai donc indiqué les noms des rapports, mais je voudrais donc revoir, et notamment Gaetano nous a donc assisté tout au cours de ces parcours. Je voudrais rappeler que c'est que tout ce que l'autorité portuaire a fait. Donc, il s'agit d'un parcours de cartographie, individuation de sources polluantes de bruit et installation physique de centrales à travers des activités de positionnement et de détection de points nécessaires pour l'installation des centrales. Après, il y a une partie d'acceptation et collecte des données fournies aux partenaires scientifiques. Donc, tout cela en résumé, mais maintenant, je voudrais détailler ce que je viens de dire. Donc, pour simplifier, ici, il y a un grand nombre de paramètres de description acoustique et il y a eu plusieurs caractérisations. Je ne voudrais pas faire une liste de toute l'activité ponctuelle faite selon les exigences, les critères requis et partagés avec le partenaire scientifique du projet. L'autorité, de toute façon, notre autorité de système à travers donc les fournisseurs, a réalisé la cartographie acoustique de la zone intéressée, c'est-à-dire la zone du port commercial dans le volet 5 et 6 du port de La Spezia. Nous nous sommes concentrés donc sur cette zone. Nous avons analysé la zone d'influence sur quelle zone de la ville donc le bruit était plus fort, le bruit du port était plus fort. Dans cette map, on peut voir de manière très claire, surtout un expert en acoustique, on peut remarquer qu'il y a une influence sur une partie de la ville, sur les bâtiments, donc dans les alentours du port. Et ces bâtiments sont justement, selon les spécifiques du projet donné par les autorités, il s'agit de zones donc où il n'y a pas, pour différentes raisons, il n'y a pas une barrière phono-absorbante. Donc, nous avons évalué au niveau intérieur, grâce au projet Monacoumé, que les barrières phono-absorbantes sont efficaces. Donc, ici, il n'y a pas de barrières et donc il y a une influence du bruit sur les bâtiments des alentours. À travers l'activité, donc, était l'intérêt de ceux qui analysaient les données, il fallait comprendre les sources prédominantes sur la base des activités portuaires. Donc, les sources sont les bateaux, les chemins de fer, les ports, donc les moyens de manutention routier. Et sur la base de tout cela, nous avons rédigé une map des sources prédominantes selon les indicateurs LDN, LD, LNight. Et nous avons donc détecté le positionnement des centrales qu'on a fait selon les niveaux d'exposition détectés à travers la cartographie acoustique et la comparaison faite avec la map des sujets des sources prédominantes. Donc, vous pouvez voir ici dans cette photo le positionnement réalisé de manière conforme aux exigences de projet. Il a été partagé aussi avec le partenaire. Et surtout, il a été finalisé avec le positionnement de 4 centrales, donc localisées dans des zones accessibles et sûres.
Donc, concentré dans la zone de pertinence de l'autorité portuaire. Donc, ces points ont été donc détectés pour caractériser mieux la cartographie. Donc, chaque centrale devait caractériser une source de bruit, donc naval, chemin de fer et routier. Donc, quelques photos des différentes stations pour vous faire comprendre quelles ont été positionnées dans des zones protégées. Avec ces stations acoustiques, on a fourni aussi deux centrales météo qui permettent de monitorer certains paramètres tels que la vitesse du vent, la direction du vent, la température, l'humidité et les précipitations. Comme je l'ai dit avant, Gaetano a donc utilisé le même screenshot, la même capture. Les fournisseurs nous a fourni, donc nous a préparé une dashboard qu'on pouvait consulter à travers un site web avec des crédentiels donc attribués, avec laquelle on peut consulter les mesures sauvegardées. Et on peut voir avec une interface très simple le positionnement des différentes centrales et les détections que ces centrales font. Les outils ont été donc réceptionnés selon les critères de la réglementation nationale en matière acoustique. Tout cela a été fait donc conformément aux spécifications et aux indications des autorités scientifiques. Nous avons fait ces réceptions donc grâce donc à un professionnel habilité. Donc les mesures de comparaison pour la réception ont été effectuées sans pluie et sans vent, donc inférieur à 5 mètres aux secondes. Ces réceptions ont permis donc de donner conformité au réseau de monitorage de suivi qui a été installé. Une fois installé donc les réseaux de suivi, le réseau fournit toute une série de paramètres de caractérisation acoustique, niveau de la nuit et niveau du jour pour chaque centrale. Et cela est visible sur le dashboard à travers les outils. Et on peut voir les niveaux d'exposition acoustique et on peut comparer ces niveaux entre les niveaux présents et le plafond. Pour donc la classe acoustique du port et de la centrale elle-même. En concluant donc, je voudrais présenter des bonnes pratiques qui ne sont pas seulement de notre part de la Spezia, mais je voudrais les souligner car en tant que sujet responsable de la réalisation de cette activité, je voudrais souligner ce que l'expérience du projet Monacumen nous a donné. Ce projet nous a fait comprendre l'autorité de système, l'autorité portuaire, que il est utile de donner, et je suis tout à fait d'accord avec M. Schenone, grâce à ces projets, donc, nous avons harmonisé des données que dans les passés
était peut-être à notre disposition, mais pour des campagnes ponctuelles, pour lors de quelques recours, en cas d'exigence spécifique. Mais de cette manière-là, l'autorité de système a la possibilité de comprendre quelles sont les sources de la nuisance et de planifier des interventions, des mesures pour mitiger donc ces mesures, ces bruits de manière durable et ponctuelle. Nous avons la possibilité aussi de, au niveau de projet, de données comparables donc d'un pas à l'autre. Donc ces projets est très utile et j'aimerais souligner l'aspect de la collaboration avec le collègue des autres autorités des systèmes impliquées pour ce qui concerne le système de suivi. Donc il s'agit d'une possibilité d'avoir pas seulement les stations financées par le programme, mais aussi un logiciel qui sera très utile et qui sera mis à notre disposition, nous permettant de fournir des analyses dans le cadre du projet, mais même à long terme. Donc, j'ai terminé et je vous remercie pour l'attention. Merci pour cette présentation. Merci pour cette présentation. Ben, enfin, il s'agit d'un premier brique qui a pris et ben, nous permet de voir la standardisation de cette approche que l'on a adoptée. Pour ce qui est du bruit et du port, avec des outils qui fournissent des données qui pour la première fois sont comparables et donc elles sont précieuses pour des interventions conjointes au niveau transfrontalier. Il ne s'agit pas seulement l'effort d'ensemble port, mais il s'agit d'un système conjoint, qu'on le dit les noms de projet. Voilà, le programme, il y a l'ingénieur Pitsous de l'autorité du système portuaire du maire de Sardinie, du port de Cagliari, bureau technique. Et ben, c'est très important ici se rappeler. Donc, l'ingénieur Pitsous va nous rappeler que pour Cagliari, ils ont été financiers. Bonjour Ricard, bonjour à tous. En fait, moi, je vais introduire ce qui a été organisé pour le port de Cagliari, pour ce qui est le projet Monacoumen, et en fait, avec une introduction finale d'une intervention de mitigation qui s'est déroulée en même temps sur un autre projet qui fait partie du programme Interreg. Donc, la présentation, évidemment, ça va dérouler sur les feux rouges de ce qui a été présenté déjà par mes collègues qui m'ont précédé. Et bien, évidemment, je vais chercher à mettre en évidence les spécificités du port de Cagliari. Pour ce qui est de Cagliari, enfin, le port de Cagliari, il s'agit d'un port citadin, pour ainsi dire. Il s'agit d'un port qui a été très important pour le développement de la ville, de l'évolution du premier installation de la matrice avec le quartier de la marine où il y a tous les marins qui opéraient au sein du port. Donc il s'agissait d'un quartier inséré dans les murs, hein, dans les remparts de la ville avec les outils de planification actuels. Voilà, vous les voyez en cercle jaune, le développement de l'agglomération urbaine actuelle, hein, de la ville métropolitaine de Cagliari qui a englobé, pour ainsi dire, différents centres. Matrice de settlement adjointe, adjacente, hein, pour certaines choses. Voilà, la planification du port est diversifiée. Hein, pourquoi? Parce qu'en fait, hein, il y a une tendance. On doit déplacer des activités liées à l'industrie, donc au port industriel, vers les ports canaux, les ports au canal, qui est plus loin par rapport au centre urbain et du port historique qui, et à proximité, qui est partie du tissu urbain même. Hein. Donc là, vous voyez la différenciation, enfin, le porto canale, porto canal, qui est plus loin, et à proximité des activités industrielles. Et c'est là, et le port historique en rouge, le port historique où se développent toutes les activités de bateaux de plaisance, mais également liées au Ropax, Roro, et les bateaux de croisière,
et pour la pêche. En fait, pour cette session, il y a un développement. Donc, le développement du projet, il a été inséré et étudié les zonages de le mappage de l'aire métropolitaine. Donc, une activité industrielle classée comme classe 5, 5e, et les ports historiques a été diversifié entre deux classements, la classe 4, intense activité humaine, et la classe 3, qui est un mélange, donc qui concerne la zone liée au bateau plaisance, et ben et voilà, dans les projets, et l'autre à la pêche. Vous voyez, ça reste classe 4, une activité, une zone d'intense activité humaine, la zone relative au projet d'études de Monacoumen. Avec les plans de classement communes de la municipalité acoustique, enfin, nous avons identifié l'exposition de la population au bruit portuaire. Une population, en fait, petite, hein, faible, on va dire, hein, qui, dans ce sens-là, a spécifié qu'il existe un plan d'assainissement dédié au port. Pourquoi? Parce qu'en fait, le port, évidemment, n'a pas été classé, identifié comme... enfin, ont été identifiées des villes de type acoustique inhérent aux activités du port, à l'exception de ce qui est du port historique. Alors, évidemment, il y a une spécificité liée au port historique, d'où la nécessité d'étudier ce qui sont les populations exposées, même aux activités sensibles. Évidemment, la pollution acoustique dans la zone portuaire fréquentée par les travailleurs, mais qui influence la partie du centre citadin. Et l'objectif de Monacoumen, bon, était d'installer un outil de monitorage. L'objectif final est d'intervenir avec des interventions de mitigation axées à la réduction de la pollution acoustique. Voilà. Enfin, pour la première opération menée est de réduire l'exposition au bruit. Donc, comme la ligne guide du projet, on doit procéder à l'identification de ce qui est la pression sonore de la zone, les sources, et donc il fallait faire une acoustique de façon telle à identifier correctement la population exposée et les émissions sonores dans la zone. Donc, nous avons utilisé tous les indicateurs prévus de la normative à un niveau européen, à un niveau italien, et je vais exposer tout simplement des images là, hein, parlantes, voilà, parce que le matériel est vaste. Donc, les activités techniques du projet Monacoumen se sont succédées dans l'ordre chronologique. Donc, vous voyez les chronologiques. Donc, la caractérisation des sources de bruit, puis enquête phonométrique dans les zones situées en dehors des zones commerciales du port. Il fallait approfondir les études sur les trafics, hein, pour les axes principaux, et ensuite pour arriver en cartographique acoustique, un rapport sur l'activité du bruit synthétique, hein, qui a différencié également les sources acoustiques présentes sur le territoire du port. Tout cela, en fait, a permis la définition d'un système de surveillance très efficace installé dans la zone du port intéressée par l'étude. À l'heure actuelle, on a fait déjà des activités, des rapports finaux, hein, donc des tests, des mises en œuvre. La toute première activité sur les ports des Cagliari, donc comme les collègues on l'a déjà montré, était la caractérisation des sources de bruit dans les cadres portuaires. Donc on a fait un relèvement sur les mouvements au sein du port, donc les bateaux de plaisance, donc ce qui était le trafic. Nous avons mesuré les niveaux des bruits prévus dans la norme. Et donc, la première mesuration
des niveaux phonométriques du porc. Nous avons effectué ensuite des relèvements à courte durée, donc les stationnements de bateaux présents dans les ports à différentes distances afin d'obtenir ensuite des valeurs, une sorte de mappage, voilà, la mappage d'un certain niveau afin de comprendre comment les sons se propagent dans l'espace. Voilà, donc on a mesuré en outre les sources internes au port passe-by, voilà la définition qui concerne des motrices des charges et des camions. Ce sont les sources qui ont un impact majeur au niveau acoustique, évidemment, et elles sont un mouvement perpétuel. Hein. Ce sont en fait les chargements, les déchargements des bateaux. Donc voilà un modèle maximal du port. Donc, ce modèle a considéré les trois attaques principales Sabaudo. La partie de Ponant et Molina Chita. Donc l'image, vous voyez insérée, représente la condition générée par un attrait sur le Rinachita. Donc dans les deux images, vous voyez en présent du jour et la nuit. Donc les scénarios et voilà un amarrage des renaissances. OK. L'activité ensuite s'est déroulée par les biais de la caractérisation de sources de bruit des zones externes du port. Dans notre cas, il s'agissait des axes principaux avec le reste de la ville, mais également avec les cadres extra-urbains. Donc dans la zone des Ponant via Roma, et la particularité du port de Cagliari est qu'il n'y a pas de source due au port ferroviaire, tout comme les cas de La Spezia. Il s'agit d'une situation présente sur le cadre régional, car les transports routiers sur chemin de fer, je veux dire, est vraiment minimal et réduit. Donc il fallait analyser de façon plus pointue les conditions de trafic à l'interne de la zone portuaire. Par conséquent, nous avons exécuté le mappage de bruit avec les courbes ISO-niveau. Et donc, on voit que là, on a fait les mappages tant des sources navales, portuelles et routières. Donc, si on regarde l'image projectée, vous voyez comment, en fait, la zone la plus sombre, vous voyez, est la zone qui est influencé, affecté par les trafics au sein de la zone portuaire, évidemment. Il y a toute une série, toute une zone qui concerne le chargement et déchargement des bateaux. Et donc, vous voyez la couleur plus sombre, une pression sonore plus élevée, élevée en tout cas. Voilà la situation pendant les jours. Donc, on va voir la nuit, quelle est la situation pendant la nuit. Donc, évidemment, pendant la nuit, on a quand même un bruit réduit. Vous voyez, les couleurs, elles sont plus claires. Donc, l'étude a identifié également les bateaux les plus exposés, enfin, les bâtiments, pardon, quelles sont les constructions les plus exposées, hein. À proximité du port, des façons-elles à identifier la population exposée au bruit dû aux activités portuaires. Voilà. Donc ici, on voit que la population a été diversifiée par rapport à l'exposition du bruit, et donc des 50 décibels jusqu'à 70 décibels. Hein. Vous voyez, nous avons vu 500 personnes. Hein. 500 personnes là. C'est un nombre majeur d'habitants. Donc, il s'agit d'une étude très ponctuelle et très pertinente. Voilà l'indicateur pendant la nuit. Donc, bon, il y a une petite réduction, on a dit, et ensuite, voilà la superposition de la situation nocturne de la nuit par rapport aux sources portuaires et ça par rapport aux sources globales, ça par rapport aux sources portuaires.
Voilà, donc ça va sans dire, il est évident que la contribution, l'apport du trafic, franchement, est, a un impact énorme pour ce qui est du bruit au port, dans les ports de Cagliari. Donc c'est très utile de partager cet outil de monitorage avec ces zones adjacentes. Donc l'activité des plaisances, bateaux de plaisance, donc elle se compose avec le mappage où on a identifié toutes les sources rapportées avec la pression acoustique. Donc Lichita nous a montré dans la présentation précédente, les triangles sont relatifs au bruit naval, les carrés au bruit portuaire. Donc, dans le cas des Cagliari, ils sont concentrés hein, dans les zones adhérentes, les charges et les décharges, et donc, puis les ferryboats, hein, et puis voilà, où les semi-remorques sont garées. Donc, avec les cercles, on a identifié où la pression acoustique est déterminée par les trafics. Donc, toute cette zone-là, vous voyez, destinée aux plaisanciers et influencée par les bruits produits dans le trafic, hein, donc tout comme les centres résidentiels. Les zones blanches, on a dit, ce sont les zones où il n'y a pas de sujets prédominants. Donc, elles sont influencées tant dans la composante navale que de la composante portuaire, évidemment. La phase suivante a été en fait celle de l'installation des systèmes de suivi. Donc, ces systèmes de suivi, le monitorage conçu de façon opportune, tant pour les sources de bruit que pour les sources objets de l'étude de monitorage de suivi, également pour l'accessibilité, la possibilité de gérer les stations de relèvement de bruit. Donc tout cela a été conçu, ce système de suivi, pour être autonome du point de vue énergétique et du transfert des données. Car il y avait la possibilité de connecter les systèmes des sources fixes, mais cela peut être délocalisé car la connectivité est assurée par les 4G et l'alimentation par des panneaux solaires et batteries à tampons, donc photovoltaïques, et ben, donc ils peuvent être alimentés de façon complètement autonome. Donc l'installation prévoit trois postes, trois stations. Donc, connecté avec un connecteur météo, S01 est connecté avec notre siège. Elle mesure les composantes liées au trafic, pas seulement l'activité portuaire. On a dit que ça, c'est un des axes les principaux. La station numéro 2, sur les palais du Conseil régional de la Sardaigne, mesure principalement le trafic, la circulation. Voilà, la circulation, elle fait le monitorage, enfin, la surveillance des Via Roma, hein, l'axe principal de la ville, caractérisé par une pigmentation en pierre, hein, donc qui est même difficile à traiter avec. Et les deux dernières centrales, S0204. S03, pardon, qui mesure principalement les bruits produits par les motrices et par les camions, les tirants, les moyens lourds et les containers consacrés au porte-canal. Et S04, installé au sein de la zone portuaire et mesure les bruits navals. Là, il s'agit d'une installation type intégrée à acoustique et météo, et à droite, le phonomètre. Le phonomètre, proprement dit, au sein de la station. Les systèmes, évidemment, est contrôlé par un logiciel où on peut accéder par le biais de l'adresse Internet, évidemment. Et il y a des accès, des niveaux d'accès diversifiés en fonction des profils, des casquettes, des usagers, administrateur, citoyen et portuaire. Voilà les trois profils. À partir de la dashboard, on peut exécuter des enquêtes, des recherches, des interrogations du système et voir les données en temps réel et les relèvements par rapport à un axe de temps
un intervalle de temps donné. Donc, voilà, pour toutes les centralines, donc on peut analyser les comportements différents dans le temps, l'évolution, les données sont téléchargeables. Donc, évidemment, l'accès sera fourni aux citoyens et aux opérateurs du secteur pour ce qui est le traitement des données, les monitorages, les suivis pour d'autres études sur les scénarios métropolitains de Cagliari et pour intervenir dans les cas de la mitigation ou quand même des données utiles pour ce qui est du monitorage, du suivi de la circulation. Donc, nous avons commencé à mener une première activité des rapports grâce à une société externe qui a fait les tests de mise en œuvre. Donc, on a nettoyé les données en faisant l'exclusion de la norme pour conditions météo adverses aux conditions de perturbation. Et donc, on les a nettoyées, on va dire, filtrées, on a fait les tri de ces événements qui ont une influence sur les pluies. Ben, la station, la poste, là, on trouve un exemple de relèvement, donc, exposition au trafic, à la circulation et également au bruit naval, évidemment. Et là, on voit deux identifications, deux thresholds, des seuils, seuil d'émission et seuil d'attention. Donc, la centrale, la station enregistre des bruits à proximité du seuil d'émission du bruit. L'évolution de niveau de la journée, donc nous avons mesuré 64 décibels, qui se rapproche de la limite absolue d'émission pour l'émission des classes 4, qui est 65, donc 64 décibels. Donc la valeur d'attention n'a pas été dépassée, mais tout de même, il est augmenté. Cette valeur a augmenté de façon presque immédiate. Donc, vraisemblablement lié au vent, hein, aux conditions du vent. Donc, même si ces conditions du vent peuvent être exclues, mais il faut quand même en tenir compte, car c'est l'influence, les données, hein, évidemment. Donc, pour les monitorages, il s'agit d'une condition quand même à prendre en considération, surtout pour ce qui est des Cagliari, car il s'agit d'une ville où il y a beaucoup de vent. Donc, voilà, il faut en tenir compte. Donc, c'est venteux, hein, c'est une ville éventée, Cagliari. Donc, voilà la diversification de la source du bruit enregistré S1, on a dit, source portuaire en général et source du trafic S2, région. Trafic, circulation S3, S4, interne au port, et donc influencé décidément du bruit portuaire, naval et les charges. Afin d'exécuter l'activité de rapport, on a exécuté en fait un relèvement axé à l'identification des événements impulsifs. C'est-à-dire en considération d'amarrage, les stationnements de départ, nous avons isolé, identifié les bruits par rapport aux activités concernant le bateau, donc activités impulsives, on va dire, comme l'ouverture des portes, par exemple, des bateaux, des ferryboats. Tout cela pour avoir un suivi plus complet et accès à l'identification des éléments qui, dans les valeurs moyennes, disparaissent. Donc, de façon définitive, liée à la première activité de suivi des monitorages, nous avons relevé où il y a un dépassement des bruits, des niveaux des bruits S1, S2, donc, et S3 interne à l'aire portuaire qui relève principalement l'émission sonore concernant la mouvementation des charges, donc voilà. Nous avons vu, tout comme on puisse dépasser les limites d'émission, surtout dans la période nocturne de la nuit. Donc il y a
un premier suivi, un premier monitorage qui nous donne déjà des infos et souligne et pose l'accent sur l'activité portuaire en tant que sujet digne d'étude, axé à influencer les activités et la vie des personnes dans les zones adjacentes. Comme je vous avais dit tout à l'heure, pour ce qui est des monarques humaines, il n'y a pas des interventions de mitigation prévues, tandis qu'il y en a pour un bol, qui fait partie du programme Interreg, qui a été réalisé dans les derniers jours hein, dans le port de Cagliari. Nous avons, avant de l'intervention, nous avons effectué des mesurations antéopérames, donc après post-opéra, mais nous n'avons pas encore les rapports concernant ces dernières. Donc, je peux tout simplement introduire ce qui a été exécuté, mais je ne peux pas partager les résultats enregistrés de façon successive à l'intervention. En tout cas, ce qui a été prévu était une étude d'un mélange bitumineux expérimental, avec deux variantes. Une première classique, donc les bétons asphaltiques, une dimension réduite. Et un deuxième mélange, au-delà des. Il y a de la poudre de caoutchouc à rajouter au mélange, donc un système à sec. Et puis qui réagit avec les bétons asphaltiques. Donc, ces deux mélanges, les deux mélanges ont des caractéristiques phono-absorbants, évidemment bien pointues et précises. Donc, elles ont quand même des notes affectées. Et puis, des caractéristiques mécaniques adaptées à l'exploitation, surtout pour ce qui est du parcours des moyens lourds, des camions, on va dire, donc qui sont présents dans les ports pour une certaine durée dans le temps. Et la pigmentation aussi existante, la sous-structure présente, notamment dans la phase d'exécution, la phase exécutive de mise en œuvre, on a dû compenser avec les jeux de dilatation pour les matériels qui composaient de la partie. Enfin, voilà, les bétons asphaltiques. Hein. Après, nous avons introduit les caoutchoucs recyclés, les pneus démantelés, la réaction du mélange de l'étude pointue pour les bétons asphaltiques. Donc, une légère augmentation du béton asphaltique au sein du mélange a été concordée. Après, quand on a mis ces bétons asphaltiques phono-absorbants, on a réalisé une première intervention concernant la directrice principale, l'axe principal pour l'entrée et la sortie de fret dans les ports, et une deuxième intervention successive qui regarde les couloirs de sécurité face aux embarquements. Un extrait de ce qui a été relevé par les systèmes dans cette période, et donc là, j'ai ramené les résultats du système de monitorage depuis le 1er juin jusqu'à hier, en gros. Donc, c'est-à-dire que ce béton asphaltique a été mis du 24 juin à suivre. Donc, cet asphaltage a concentré S3, S4, mais principalement S3. Les systèmes ne semblent pas montrer des différences particulières par rapport au précédent, en fait. Tout en ayant comme référence ces leviers horizontaux, il y a une légère réduction des émissions sonores, mais sur S1, vous voyez, la station externe se trouve au-dessus de SP, donc une forte augmentation qui peut
être issus du vent éventeux, hein, des éléments éventeux, mais également par conditions de circulation majeure. Hein. Donc, vous voyez, il y a des travaux, ben, là, vous voyez, les activités d'embarquement et désembarquement des passagers ont augmenté vraisemblablement. Donc, peut-être qu'il y avait une circulation générale, une pression générale sonore supérieure sur la zone, mais contenue en même temps grâce à cet asphaltage phonoabsorbant. Et donc, après, on saura les résultats du monitorage. Pour comprendre si l'intervention a été efficace, si c'est à reproduire même dans d'autres zones du port. Pour ce qui est des conditions de la circulation, c'est là une grande influence sur la condition du bruit dans la zone portuaire. Évidemment, il sera très utile de partager donc les données relevantes. Voilà, je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à mon intervention. Merci à l'ingénieur Pizzo pour cette présentation. Elle nous a permis de voir très bien le projet Monaco Men, donc les rapports entre ville et escale, ville et port maritime, et donc même le nombre, la quantification des gens impactés par les bruits, qui est une formation primordiale pour la programmation des interventions. À ce moment-là, je cède le micro au monsieur Joseph Paulis, de la Chambre des commerces de Bastia, qui est connectée dans la salle virtuelle française. Et donc là, on va entendre la traduction en simultané en italien de son intervention en français. Bonjour, allô? Allô? Oui, on vous entend. Vous pouvez partager votre écran pour la présentation? Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez comme ça, là? Vous m'entendez, là? Oui, on vous entend dans la chambre française et dans la chambre italienne aussi. Très bien, je vous remercie. Je vais partager mon écran. Je ne sais pas c'est lequel qui se partage. Excusez-moi, je... Voilà. Oui, est-ce que vous voyez mon écran, là? Pas encore. Celui-ci. Ça arrive? Oui. Parfait. OK. Bonjour, je suis Joseph Paoli, je suis responsable de la qualité, sécurité et environnement sur le port de commerce de Bastia. Je vais vous faire une petite présentation sur le port de Bastia et les problèmes et les solutions que nous avons résolus concernant l'acoustique, en particulier au travers du programme européen Monaco Men. Alors, je voulais commencer par un petit rappel sur l'historique des ports insulaires en zone urbaine, parce qu'il me paraît important de mettre en place déjà une première, comment dire, de voir déjà comment les ports, la présence des ports dans les villes, leur importance, car aujourd'hui, il est crucial de se rappeler que les ports, en fait, les villes sont nées des ports et pas l'inverse. Mais au fil des années, au fil des ans, le rapport s'est inversé. Il y a quand même, il y a quelques années, au moment de la création de ces ports, les villes se sont greffées autour des ports, les villes se sont développées. Mais les ports, bien qu'amenant beaucoup de bénéfices, ont commencé à amener également des nuisances, que ce soit des nuisances olfactives, des nuisances au niveau des problèmes de circulation, des nuisances au niveau sonore également, bien sûr, puisque c'est le propre du sujet. Et tous les citoyens alentour, ce que nous appelons les parties prenantes, ont commencé à gronder, à
à ne pas être content des nuisances apportées par les ports et autres, et à demander, on fait la demande à ce que les bruits soient atténués, diminués à minima, et surtout pour avoir un environnement de vie, un cadre de vie qui soit plus facile pour eux, tout en étant à proximité de ces ports. Sur les photos que vous voyez là, vous avez la première photo, c'est le port tel qu'il était au début du siècle. La photo du milieu est le port actuel. Et la photo sur la droite est une projection du port tel qu'il pourrait être plus tard, puisque aujourd'hui le port de Bastia est en discussion, enfin le port, la région, la ville, etc. Nous sommes en discussion pour pouvoir carrément déplacer le site. Voilà. Donc, ce qu'il convient d'identifier, c'est que les ports insulaires, ce sont des zones d'interface. De nombreuses interfaces se font. Les milieux sont les interfaces par rapport, par exemple, au milieu, parce qu'on a une interface entre la terre et la mer, par rapport aux moyens de transport, puisqu'on passe des bateaux aux véhicules terrestres, que ce soit les cargos, les ferries pour le port de Cagliari ou de la Spezia au train, etc. Les activités également, sur les activités des ports, les activités sont diversifiées, sont logistiques et industrielles. En règle générale, il n'y a pas que l'activité nautique, mais aujourd'hui, il convient d'identifier la particularité du port de Bastia, qui est une activité nautique principale. Il n'y a pas d'industrie sur le port de commerce de Bastia. Ensuite, on a différents acteurs qui se croisent sur les ports les uns les autres. On a les collectivités, le concessionnaire portuaire, les compagnies maritimes, les clients des compagnies, on a les riverains, etc. Voilà. Toutes ces activités-là, elles nous incitent à mettre en place des échanges, de la communication, afin que tout se passe dans la meilleure entente, afin que l'activité portuaire puisse se dérouler de manière souple et sereine. Voilà. Au niveau de la réglementation, alors nous avons une réglementation qui est applicable, qui est issue des directives européennes 2002/49/EC, dites END. Et on a deux réglementations aujourd'hui en France. On a une réglementation qui est issue du Code de la santé publique, alors qu'en Italie, c'est la loi 447 et la loi 844 du Code civil. Ces réglementations se rejoignent plus ou moins, mais ce qu'elles nous demandent surtout, ce n'est pas de, comment dire, certes, ce n'est pas, c'est de ne pas émettre de bruit, mais c'est surtout de ne pas faire émerger du bruit. C'est qu'il n'y ait pas de bruit émergent par rapport au bruit ambiant. C'est-à-dire que là, il va pour correspondre à la réglementation, il va falloir pouvoir définir le bruit ambiant au départ. Les acteurs concernés par le bruit, comme dit tout à l'heure, donc c'est les riverains du domaine public portuaire, les communes, les communautés d'agglomération ou les métropoles, les propriétaires des installations portuaires qui sont chez nous la région, et là le gestionnaire des concessions au niveau du port de Bastia, le gestionnaire est la CCI. Aujourd'hui, sur le port de Bastia, nous avions beaucoup de problèmes liés au bruit. Il nous a été nécessaire il a été nécessaire pour nous de mettre en place différentes solutions afin de pouvoir pallier à ces problèmes, car il est nécessaire, dans le cadre de l'activité portuaire, d'avoir une entente dite de bon voisin avec les riverains, les communes, etc., tous les acteurs concernés. Pour ce faire, on a participé donc au cluster Interreg Maritimo concernant la réduction du bruit.
Nous participons activement au projet Décibel, au projet Listeport et au projet Monacumène. Ces trois projets, c'est des projets qui sont tout de même, comment dire, qui sont, c'est des projets qui sont complémentaires et qui nous permettent, à travers ces trois projets, d'avoir une approche sur les nuisances sonores. Je dirais, suivant différentes facettes. Le projet Décibel nous permet de mettre en place des solutions. Là, actuellement, nous avons mis en place un plan d'action. Nous avons fait l'acquisition de véhicules électriques, donc pour que sur le port de Bastia, à l'occasion de nos activités, lors de nos déplacements, nous ne produisons plus de bruit. C'était un bruit caractéristique qui dont la source était assez prépondérante. D'autres actions seront bien sûr mises en œuvre dans le cadre du projet Cibel, mais pour l'instant, nous avons mis celle-là. Le projet Listeport nous permet de voir l'impact des arrivées des navires et des débarquements au sein de la ville, l'impact au niveau environnemental, qui est quand même bien entendu assez important, puisque le port de commerce de Bastia, c'est quand même quasiment, enfin, c'était quasiment 2 millions de passagers. Aujourd'hui, on arrive péniblement à 1 million suite à la pandémie. Pour 2020, nous avons fait 1 million de passagers. Et voilà, on espère que l'activité reprendra, bien entendu. Pour ce qui est du projet Monacumène, ce projet-là nous va nous permettre d'effectuer un monitorage global qui va nous permettre, bien entendu, de voir si les plans d'action mis en œuvre à travers les autres projets sont efficaces, voire efficients. Mais également, le projet Monacumène nous permet de répondre à une demande des riverains du domaine public qui souvent nous sollicitent pour nous faire part de la façon dont ils sont impactés par les nuisances sonores. À travers le projet Monacumène, nous aurons en place un outil qui nous permettra de mieux identifier leurs problèmes et de pouvoir répondre à leurs problèmes en direct. Car il est assez compliqué aujourd'hui je dirais, le bruit, c'est surtout une perception. C'est surtout une perception. C'est difficile de mettre, c'est difficile de quantifier ou à la fois en quantité et en qualité. Je ne parle pas, bien entendu, pour les ingénieurs spécialistes, mais je parle pour le grand public qui a énormément de difficultés à comprendre la notion de décibels, les notions de bruit, je dirais, aigu, grave, impactant ou moins impactant. Voilà. Donc aujourd'hui, le projet Monacumel va nous permettre de pouvoir modéliser des choses qu'on pourra mettre à disposition du grand public, mais surtout de façon compréhensible. Car il est important pour nous que les riverains puissent comprendre l'information. Ça nous permettra de pouvoir évoluer plus tard sur, je dirais presque de les associer au plan d'action qu'on voudrait mettre en œuvre pour limiter l'impact sonore dans leur vie de tous les jours. Ensuite, il est nécessaire de comprendre. Attendez, je vais essayer de faire avancer. Voilà. Sur le port de commerce de Bastia, nous avons décidé d'implanter trois stations de capteurs de bruit. Les travaux sont en cours pour implanter ces stations. La mise en place de ces stations a été validée par le CSTB et l'Office de l'Environnement, qui nous permettent de donc qui nous ont autorisé à les mettre là et qui nous ont conseillé de les mettre là pour que ces stations soient placées de manière efficiente. Ensuite, du fait de la localisation du port de Bastia, qui est vraiment en cœur de ville, qui est également placé dans un couloir très venteux, il a été nécessaire de prévoir des stations de vent. Car la propagation du bruit, comme tout le monde le sait, est très intimement liée à la météo. Et nous voulions avoir ces données
je dirais, en corrélation, afin de pouvoir ajuster nos plans d'action et et toutes les mises en œuvre, à la fois au bruit émis, mais également au bruit, à la façon dont est diffusé le bruit. Car nous sommes aperçus que, en fonction du vent, certains riverains qui sont très près n'entendent pas du tout le bruit, alors que d'autres qui sont situés jusqu'à 4 ou 5 km ont un bruit persistant. Ensuite, que dire? Au niveau de la situation du port de commerce de Bastia, il est important de. Vous le voyez un petit peu à l'écran, mais il est important de comprendre que c'est un port qui est très petit en surface, malgré un trafic important. Et du fait de sa taille très réduite, nous n'avons aucune industrie sur le port, car nous n'avons pas la possibilité foncière de les accueillir. Pour vous donner un petit peu une idée, le port de La Spezia, il y a ses 575 000 km² de terre-plein, alors que le port de Bastia, c'est 23 000 km². C'est-à-dire, on est quand même on est minuscule. Voilà, c'est 5 km de quai. Nous avons à peu près un petit peu moins d'un kilomètre de quai. Voilà, on est vraiment très très petit. Nous avons quand même placé trois capteurs et la position des capteurs de bruit nous permet d'avoir l'ensemble du port, voire même une grande partie de la ville. Les capteurs que nous avons choisis sont des capteurs, je dirais, qui rejoignent entièrement les préconisations données par les partenaires universitaires. Le suivi acoustique sera couplé à la fois, il y aura à la fois du matériel, bien sûr, et du software. Et tout ça sera géré par un de nos prestataires qui nous accompagne non seulement depuis le début du projet, mais bien avant, et qui, je pense, nous accompagnera durant un bon petit moment. Voilà. Au niveau du monitorage et de l'impact, comme vous voyez, bon, quelques mesures ont déjà été prises. Elles ne rentrent pas encore dans le cadre du projet, mais cela ne saurait tarder. Enfin, dans les caractérisations plutôt du projet, mais cela ne saurait tarder pour avoir les caractérisations exactes, pour bien rentrer dans le cadre. Là où on a vu qu'on avait un impact important au niveau bruit perçu par la population, c'est au niveau des déchargements, des embarquements et déchargements, que ce soit du trafic fret ou trafic passager. Le trafic passager impacte également énormément la circulation et il convient aujourd'hui à travers un autre projet qui est Listeport, nous sommes en train de mettre en place les équipements nécessaires afin de pouvoir minimiser l'impact à la fois circulatoire, enfin de la circulation, à la fois sur les embouteillages et à la fois sur l'impact des nuisances sonores. À côté, vous avez donc, là vous, donc, vous avez donc une petite cartographie succincte sur les monitorages qu'on a fait. Et vous avez la rose des vents qui nous montre l'impact induit au niveau météo. Si je dirais, c'est assez. Les images là ne sont pas très parlantes, mais au niveau. Comment dire, au niveau du retour des riverains sur place, c'est vraiment, comment dire, c'est perturbant, car on a des riverains qui sont à 400 mètres, qui n'ont aucun problème de bruit, et on en a qui sont à 6 km et qui ont un impact énorme sur l'environnement. Voilà. Aujourd'hui, il convient d'essayer de retirer. Certes, le bruit est un élément impactant sur les bénéfices environnementaux et sociétaux. Il convient aujourd'hui d'essayer d'en retirer des bénéfices, à la fois des bénéfices majeurs, surtout à travers la communication, car il est important que les riverains soient informés
sont informés que leur problème est connu, que le problème est connu, que le problème est traité, que cela, bien entendu, cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais les choses sont prises en main et les choses essayent d'avancer. Et également au niveau des bénéfices sociétaux ou au niveau de la citoyenneté, il est important d'avoir conscience du coût généré par les problèmes, par les nuisances sonores. En France, le coût a été estimé à 57 milliards d'euros. Je dirais que ce n'est pas un coût à prendre. Ces chiffres-là, ils nous montrent bien une chose, c'est que lorsqu'un riverain se plaint de l'impact du bruit, certes, on pourrait penser, oui, mais de toute façon, on ne peut pas travailler sans faire de bruit. Mais par contre, il est important de prendre en compte sa vision des choses. Et c'est pour ça qu'il est important de bien communiquer. Parce que l'économie est importante, mais le bien-être des gens l'est également. Et le fait que l'on ait une relation avec eux qui nous permette un échange et des explications permet de désamorcer énormément de crises. Et je dirais que les temps nouveaux nous amènent vers des crises liées à l'environnement, mais pas seulement les crises climatiques. Je dirais la population aujourd'hui a une demande importante au niveau de la qualité de vie. Et le projet Mon Acumen nous permettra certainement de pouvoir mettre en place des jalons qui nous permettront à l'avenir d'améliorer la qualité de vie des riverains dans un environnement portuaire. Je vous remercie pour votre attention. Je n'entends rien, moi. Vous entendez là? C'est bon? Très bien. Merci beaucoup. Le seul partenaire en français qui a permis au projet Mon Acumen d'amplier les caractères d'approche conjointe à un port insulaire qui participe à différents projets du programme Italie-France maritime. Donc voilà, nous sommes aux dernières interventions portuaires du génie et de l'autorité du système. Ma mère. Cet intronel, notamment pour l'apport de Livourne. Donc, voilà, à Ivano Tone, suivi dans les ports de Livourne et dans d'autres ports de la mer Tyrrhénienne du Nord. Je partage l'écran. Merci, Ricardo. Comme ça, je peux partager brièvement la présentation. Voilà. En fait, vous voyez là? C'est bon? Vous la voyez, la présentation? L'écran est partagé? Voilà. Alors, en fait... je tâcherai à faire le point, même si j'arrive en dernier, après toutes les interventions des personnes bien plus qualifiées que moi-même, comme Corrado, Gaetano, sûrement au sein de ces présentations, je chercherai de montrer, les systèmes de suivi de Livourne, et en même temps, je chercherai à expliquer la méthodologie pour les monitorages acoustiques. Donc, l'autorité portuaire de Livourne n'est plus Livourne. Elle a plusieurs cadres, donc les ports de Livourne, Piombino et Porto Ferrari en même temps. Le projet pour le monitorage acoustique, en fait, et pour les interventions de type acoustique, nous avons cherché de considérer tous ces ports-là, pas seulement Livourne, notre objectif principal, mais également Porto Ferrari, car il a une conformation du port très particulière et vit des périodes avec une grande circulation. Donc souvent, le problème acoustique est sensible pour les citoyens. En fait, Livourne se présente comme un port réparti de façon
très particulière, comment dirais-je, avec des trafics de type à prévalence industrielle dans la partie nord et septentrionale, et des ferry boats de plaisance dans le sud, dans la partie sud, qui est la partie la plus proche de la ville, on va dire. Là, j'ai cherché à expliquer avec quelques chiffres de quoi l'on est en train de parler, des unités, des bateaux, de bateaux, de navires, ils stationnent, etc. Il s'agit d'une référence pour une année qui n'a pas été la meilleure, évidemment, hein, à cause de la COVID-19. Mais évidemment, cela peut quand même donner, hein, une certaine mesure de ce dont on est en train de parler. Les ports de Libourne, voilà, c'est à la chance d'avoir une plateforme, Monica, qui a dedans soit plusieurs sources de données certifiées de valence internationale, tout comme les catalogues des bateaux SH Market, les seuls certifiés dans la IMOS, ICNIS, à gestion nationale, les réseaux AIS, pour la localisation AIS, la localisation des bateaux et d'autres fonds, GTTS3, l'ARPAC pour le fret dangereux, ITPCS, TPCS pour les ports de Livourne, pour la gestion des frets. Et enfin, au sein de cette plateforme, nous, on vise l'insertion de données, des tout capteurs consacrés au monitorage ou suivi au sein du port. Pour vous faire comprendre, il s'agit de la structure d'une plateforme qui vit des données simples, spot, déconnectées, mais il s'agit d'une plateforme qui est axée à l'intégration des données hétérogènes en provenance de toutes formes, des capteurs, de toutes sources d'informations que je vous ai montrées dans la slide précédente, qui fait les convoyage des données, mais l'offre des services aussi. Donc, on voit les données et offre des services. Monaco même, ça s'entend très bien au sein de cette méthodologie d'activité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on mise sur l'intégration de ces qui sont toutes les données rélevées et fournir un service à la communauté et aux opérateurs et surtout aux contrôleurs. Donc, Monacumen est axé à l'alimentation, évidemment, de notre plateforme, mais également à offrir un service tout comme Gaëtan nous l'a très bien dit avant moi-même, qui a des prérequis partagés avec tous les partenaires, qu'il s'agisse de données validées. Toutes les données doivent être validées, évidemment. D'abord, l'activité prévue a concerné les spécifications de la dashboard, les spécifications techniques des capteurs, la gestion des données, donc les tests finaux de la plateforme, les tests finaux des mises en œuvre de la plateforme, donc qui s'est conclue. On est en train encore, on est en train d'attendre la validation des données finales. Donc, en tant que première partie de l'activité, nous avons réalisé un premier mappage acoustique du port, axé sur le monitorage, les suivis des sources acoustiques du port de Livourne. Nous avons réalisé par le biais d'une société externe, donc il y a eu une pléthore de sujets externes très fiables, donc à travers IPOL, le mappage acoustique du port, sur les monitorages, sur les suivis du global. Hein. Vous voyez toutes les sources confondues tous ensemble. Voilà, vous voyez les valeurs en fait, 75 décibels. Grosso modo, au niveau industriel, il y a un peu plus de mouvement. Et puis, il y a plus de manutention. Et puis, les zones libres, hein, où là, il y a. Ça, c'est pour les globales, la valeur globale pendant la journée, puis pendant la nuit. Hein. Ou bien les niveaux de la source navale. Là, c'est la source navale, niveau équivalent pendant les jours.
Nous avons monitoré également, on fait le suivi des sources. Des sources principales, les bruits dans les ports, dans les zones limites. Et puis, toute la partie industrielle, donc manutention de fret, et la partie ferroviaire, le chemin de fer. Ensuite, après cette première mappage, ce premier mappage pardon, acoustique qui nous a fait comprendre les sources de bruit, les zones les plus critiques, nous avons fait un passage successif afin d'accéder à l'identification de la map des sources prédominantes. Donc, nous avons identifié les points les plus critiques, névralgiques, LMDN à droite. Enfin, light, la partie à droite, c'est le quartier La Venezia, le quartier le centre de Livourne, un peu plus délicat, pour, même pour la conformation, la configuration du port, car ils sont, l'industrie est un peu à ses côtés hein, du récepteur de la ville. Ensuite, à Vici, l'université de Pise, nous avons évalué, grâce à eux, on a fait une confrontation de la PCCA, c'est-à-dire les plans communaux du classement acoustique de port de Livourne et le mappage acoustique, quelles étaient les valeurs, s'il y avait une convergence, quelles étaient les zones les plus critiques, comme on peut très bien voir. En fait, la zone nord est typiquement est industrielle. Les centres dans la zone identifiée, eh ben, il y a un peu un mélange hein, avec peu d'industriels, exclusivement industriels, mais ce que je veux dire, activité industrielle humaine présente en même temps, et la zone sud qui est un peu un mélange d'une activité intense humaine. Donc à droite, nous avons ce qui était les mains dernières années 60. Nous avons les relèves. Donc le Blue Wave nous a suivi cette société par tous ces passages d'installation grâce à des mises en place sur le dashboard. Nous avons décidé, grâce à une notion A3, comme voilà, identifier de la digitalisation. Du centre, hein, donc centre-ville, parce qu'elle était la plus sensible par rapport au niveau acoustique, et car elle avait une proximité majeure à la zone de la ville. Il s'agit d'un classement, voilà les senseurs, les capteurs que l'on a mis, que l'on a installés hein, par rapport aux normes européennes, directives européennes, classe 1, certificat Crédia et toutes les spécifications techniques avancées. Dans l'appel à projet et qu'il y a tous les paramètres. Donc ça, c'était dans une période post-Covid, après la Covid, même si on ne s'en est pas en sorti complètement. Voilà les panneaux solaires, photovoltaïques, donc l'avenir. Hein, si jamais on doit commencer dans la conception d'un besoin d'une zone différente, on peut très bien les déplacer. Vous voyez, donc les systèmes sont indépendants, ça ne change pas, il est géolocalisé, il envoie les signaux à la plateforme. Il y a une nouvelle sélection. Et évidemment, la balance de la donnée, ça changera hein, d'une zone à l'autre, mais voilà, vous voyez, l'exploitation est bonne. Et donc, il est souple. Donc, il s'agit d'une installation indépendante, hein. Simple à déplacer. La dashboard est réalisée là. Comme vous pouvez voir, là, on fait un exemple. Voilà l'exemple. Les données d'aujourd'hui. Visualisation en temps réel. Hein. Donc, on peut voir tous les paramètres suivis, monitorés, surveillés, en temps réel, le fil de l'eau. Là, on peut comprendre très bien ce qui se passe maintenant sur la
Station de Livourne 1. Voilà, station de Livourne 1. Vous voyez l'installation, les photos de l'installation. Là, on voit les données historiques. Donc, Livourne 1, dans la donnée d'aujourd'hui. Donc, le niveau équivalent. L05, L95, qui sont quand même, ils représentent, je veux dire, j'espère de ne pas dire des fauteuses. Gaetano, tu ne vas pas les frapper quand même. Voilà, donc cela représente, comment dirais-je, L95, c'est un peu le fond, ce qui est présent dans le fond du niveau de monitoré, suivi. Donc, voilà, donc si on va déplacer les autres. Ce sont les bruits à niveau sonore qui est en train de se dérouler dans les zones limitrophes par rapport à la station numéro 1, L05 en fait, et la valeur opposée, 5% du niveau dépassé de la moyenne. Je cherche en même temps de représenter quelque chose qui est très utile à mon avis. Accordez-moi une petite seconde, s'il vous plaît. Voilà, on peut représenter les deux semaines. Vous pouvez voir l'évolution journalière, l'évolution de la journée, jour et nuit. Et par les biais de cette valeur, hein, par les biais de cette touche notamment, vous voyez, avec les curseurs, je peux identifier ce qui sont les périodes que je ne peux pas exploiter par rapport à la station météo. Il y a eu un dépassement. Il y avait des conditions météo, pluie notamment et vent, qui ont rendu impossible l'évaluation du son. Et puis, sur mes décédés, comme quand il y a des centres venteux, et Livourne, la même chose. Donc, toutes les données n'est pas valable, etc. Voilà, donc là, il y a une chose très utile par rapport aux statistiques où on peut, par exemple, en prenant la période de référence qui écoule de la dernière semaine aujourd'hui, donc on va voir l'évolution acoustique dans les différents jours. Donc, vous voyez même dans les différents créneaux horaires, voir quelle est la journée la plus délicate. On peut regarder les lundis. En fait, lundi, nous avons un pic à cette heure-là qui n'est pas présent dans les autres jours. Donc, on verra semblablement toujours au Livourne 1. Donc, on peut changer de poste, hein, des postes, des stations, des monitorages, des suivis 12 au 20 juin, juillet, pardon, lundi, de 10-11, il y a eu un pic. Donc là, il y a l'arrivée d'un bateau, vraisemblablement. Et ben, par le biais de cette représentation, on peut faire le monitorage des périodes plus longues. Tous les mois, quels sont les jours les plus délicats? Comme on peut voir de lundi, vendredi, créneau 10-11, très délicat. Donc, il y a l'arrivée d'un bateau. Comment peut-on faire, agir, réduire ce problème? Évidemment, au début, je vous ai montré la question de Livourne. Les ports n'est pas seulement Livourne, mais il est aussi, je vous l'ai dit, Livourne, Piombino et Portoferraio, nous avons inclus. Hein? Nous avons installé d'autres stations pour le suivi acoustique à Portoferraio, où il y a les mêmes données dans le même tableau de bord. Donc, au sein du même tableau de bord, nous avons les mêmes valeurs, les mêmes représentations graphiques, vous voyez. Donc, on peut très bien faire l'extraction de données des Portoferraio, les gérer tout seul, ou bien les intégrer avec les données de Livourne, les gérer ensemble. Ce qui nous permet d'avoir un cap complet de tout ce qui a été mené, tout comme l'intervention de l'ingénieur Pitsou pour ce qui est des bruits qui ont un impact, on peut vraisemblablement évaluer les impacts
des bateaux au sein du port, des Portoferraio cette fois. On est en train de regarder Portoferraio, on va sélectionner un jour simple, tac. Voilà, il y a le calendrier, on prend un jour simple. Et on voit là qu'il y a un pic, les pics d'environ 87, 97 décibels, donc 97 décibels. C'est quand même la porte d'un navire, enfin d'un bateau, rassemblement qui arrive et qui s'ouvre. Donc, Rambol, il y a eu d'autres interventions sur Portoferraio, rassemblement de la réalisation d'un asphaltage pour nos urbains. Et ben, au sein du projet, on est en train de réaliser un pavement, on est en train de réaliser voilà, un asphaltage en caoutchouc pour éviter l'impact. Hein. Du bruit de portes de bateaux comme s'ouvrent. Donc, au sein des projets, on cherche à faire les monitorages pour comprendre les solutions plus viables. Donc, premièrement, le monitorage, par les biais du suivi, de la surveillance, du monitorage même, on peut comprendre, évaluer différentes interventions et solutions viables. Mais voilà, des interventions éventuelles des réductions de l'impact acoustique. Je cherche voilà, à rajouter un complément d'information. Voilà les aspects acoustiques du poste 3, de la station 3. On peut voir les basses fréquences et dans ces graphiques spécifiques, quand même, l'impact du vent. L'impact du vent au sein. Nous avons intégré notre centraline, enfin notre station, afin d'avoir des données valables et exploitables. Là, je vais me rattacher tant à Corrado qu'à Gaetano. Corrado, évidemment, parlait des interventions sur les armateurs, pour les plaisanciers. Oui, d'accord. D'accord, mais il s'agit d'une problématique de type spatial, on va dire. Il faut évaluer la conformation des ports, comprendre quelles sont les problématiques et les solutions viables éventuelles sur une chose comme les basses fréquences. Franchement, que le soir frappe tous les cadres portuaires à proximité, on devrait agir. Au niveau d'armateur, armateur, mais au niveau de ville en même temps. Donc, je vais remercier tous les partenaires scientifiques, surtout ARPAT, qui, même si avec certaines divergences, a été quand même un grand support pour moi. Il s'agit d'un projet, en tout cas, très important pour moi, qui a apporté beaucoup au port de Livourne et qui, j'espère, mon souhait, et qui puisse être implémenté, amélioré, qui puisse amener à quelque chose de toujours plus positif à la citoyenneté de Livourne dans le cadre du système portuaire. Je remercie tous les partenaires scientifiques, Tanolicitra, surtout, et tous les partenaires du projet qui. Nous avons partagé beaucoup de problèmes, évidemment, avec les Covid, mais nous avons quand même obtenu des bons résultats, très importants. Voilà, je m'approche de conclusion, vous remercie. Remercie un peu le monde. Au revoir. Merci, merci pour ce discours qui nous a donné donc un aperçu sur les projets du programme France Maritime. Je voudrais donner la parole à Madame Myriam Lamela, responsable du monitorage pour le programme Italie-France Maritime, qui nous présente donc les projets du groupe concernant la pollution acoustique générée par les ports. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci au nom de l'autorité de gestion du secrétariat pour cette invitation. Nous sommes très heureux, nous sommes toujours très heureux de participer à ces conférences, à ces événements, car nous devons apprendre ce que nos projets font dans la réalité en concret. Donc, je voudrais donner un aperçu, donc, pas seulement des projets de ces clusters, car je crois que les différents sujets ont été bien abordés par les différents rapporteurs. Vous avez fait référence à d'autres projets au-delà de Monacoumène. Donc, je voudrais tout d'abord,
donner un aperçu général. Donc, vous tous savez bien que la capitalisation est un aspect très important de ces programmes. Elle avait été déjà identifiée comme priorité pour la stratégie de programme et on avait détecté donc les problématiques comme instrument privilégié pour les échanges d'informations et pour la production de produits conjoints et communs. En 2019, le programme a lancé formellement, pour ceux qui étaient à Cagliari, lorsqu'on faisait encore les réunions en présence. Donc, nous avons présenté une méthode de travail à l'intérieur duquel avaient été identifiées des phases de travail. La première phase était dédiée au monitorage, à la compilation de formats et formulaires standardisés afin de faire un premier mappage des différents produits et des résultats que les projets à l'époque, car je le répète, il s'agissait de 2019, donc les résultats qu'on s'attendait à atteindre au cours des années. Donc, il s'agissait d'un premier mappage utile, d'après nous, car il permettait à d'autres projets aussi de comprendre ce que le programme fait en général et ce que peuvent faire d'autres projets analogues du pôle thématique et notamment du cluster. La capitalisation, comme je le disais, est structurée en pôle thématique. Le programme a identifié 6 pôles. L'un est dédié complètement à la gestion durable de ports, les pôles 4. Et à son intérieur, nous avons identifié 4 autres clusters thématiques. La promotion des carburants alternatifs du GNL, notamment la gestion des la sable dans le port, la pollution acoustique, donc ces thèmes, et la gestion des déchets et dans la mer. Pourquoi ces pôles thématiques sont une bonne pratique pour nous, et notamment ces clusters sur la gestion du bruit et donc de la pollution acoustique? Parce que nous avons cherché à créer des cadres de travail, donc des documents, un monitorage, nous avons créé un document d'analyse. Nous avons un peu de honte à partager car il a été fait à l'intérieur du secrétariat et il veut être une sorte de synthèse de produits de nos projets. En outre, nous avons réalisé le catalogue que vous connaissez très bien, que vous pouvez trouver sur le site web du programme, où il y a une section complètement dédiée à la capitalisation, où, au-delà de chaque projet, vous pouvez trouver toute la documentation qui a été créée au cours du temps. Nous avons réalisé aussi un canal YouTube avec, donc, explique quand les résultats les plus importants atteints à travers nos projets. Pourquoi donc il s'agit d'une bonne pratique à notre avis? Parce que nous l'appelons la capitalisation spontanée créée par les projets encadrés, insérés dans ces pôles 4. Spontanée car, et peut-être, c'est les parcours les plus naturels que nous avons identifiés au cours de ces 2 dernières années, 2 années et demie. Cette évolution naturelle d'échanges, synergies, collaborations, permise aussi par la manière dans laquelle les différents lots avaient été créés pour le financement des projets, probablement a été permis aussi par la typologie de
projet que nous avons reçu. D'un côté, il y a la communauté scientifique qui a donné une contribution considérable. Aujourd'hui, on l'a vu très bien, mais de toute façon, l'évidence générale, hier, on considérait, on observait les différents projets qui font partie de ce pôle thématique et on a remarqué que les universités de tous nos territoires sont présentes. De l'autre côté, il y a une communauté opérationnelle qui a parlé justement dans ce dernier volet du séminaire, donc les autorités portuaires et les ports en général. C'est pourquoi, donc, je disais que la collaboration, le rapport des synergies a été plus naturel, disons. La réflexion qu'on faisait, qu'on amenait dans les derniers jours, est que cela est dû au fait que nous sommes au cœur de la rédaction du nouveau programme où tous les thèmes, les sujets du pôle 4 sont reconsidérés. Nous avons identifié une ligne complètement dédiée au port écologique. Donc, nous avons donné une approche à 360 degrés. Notamment, nous avons fait référence à la pollution acoustique. Comme je le disais avant, peut-être le pas en avant qu'on voulait faire d'ici la fin de l'année, qui est le moment de la livraison du nouveau programme, est le fait d'échanger, de dialoguer donc avec la communauté de pôles, des différents pôles. Donc, réaliser une table ronde où communiquer et partager les différents résultats atteints, pas seulement à travers ces projets, mais au cours de toutes ces dernières 10 années. Où l'Interreg a intervenu et a travaillé. D'après nous, cela est très très important car peut-être ce sujet est l'un des sujets où l'Interreg est plus évident et cela ressort même de la typologie des travaux faits. Donc, on a remarqué à plusieurs reprises que nous avons mis à disposition des données, et donc il s'agit d'une capitalisation. L'Interreg doit faire justement cela, doit unir des réalisations faites à d'autres niveaux, doit unir les territoires que la politique régionale ne combine pas, n'associe pas. Donc, le fait d'avoir ces deux éléments ensemble n'est pas tellement évident. Donc, peut-être les ports et les sujets liés à la gestion des ports est un sujet privilégié pour l'Interreg. Il y a toujours le défi de communiquer à un public plus large et notamment aux autorités politiques des régions qui font partie de ces programmes, et je ne me réfère pas seulement aux régions, Laura Perducci était là, je ne sais pas si elle est toujours présente au niveau de stratégie. Probablement les défis d'ici la fin de l'année est d'aller au-delà du programme et de pouvoir véhiculer, transmettre ce que ces programmes ont fait au bénéfice des ports. Je le souligne, pour nous, il s'agit d'une bonne pratique pour les raisons que je viens d'expliquer. Peut-être l'Interreg a donné son mieux, donc cela a été la démonstration de ce que l'Interreg peut faire. Donc l'Interreg ne peut pas faire de grandes infrastructures, il ne peut pas se concentrer dans une seule région, dans un seul territoire. Donc l'Interreg a associé des communautés que normalement, ou dans d'autres pôles thématiques, travaillent séparément ou de manière moins évidente, a rendu protagonistes les différents opérateurs
de manière directe dans d'autres pôles thématiques. Par exemple, il y a des conseillers, des personnes qui ne sont pas très préparées au niveau technique pour les projets. Donc, il est difficile parfois de mener à bien un travail de capitalisation. Mais ici, dans ces cas-là, la coopération entre ces différentes communautés a été vraiment évidente. Donc, nous allons vous convoquer sans aucun doute à cette table d'ici la fin de l'année et nous vous demanderons de donner votre contribution concrète car cela doit être à votre bénéfice et à notre bénéfice en général, disons, pour le programme Interreg. Merci, merci encore pour cette invitation à contribuer à la nouvelle programmation. Et le projet Monacumène donc, fait profit de cela. Je me réfère à l'expérience de 3 années de travail fait jusqu'ici. Je voudrais remarquer la centralité du monitorage, du suivi vu comme vérification du progrès, de l'avancement vers des objectifs de réduction du bruit et d'efficacité de la mitigation. Le suivi acoustique peut se référer à la vérification des niveaux au dépassement des niveaux, donc même des gaz à effet de serre, et donc en faisant référence à la pollution atmosphérique. Donc, un suivi, un monitorage étendu qui se base sur dans les présentations d'aujourd'hui, qui se base sur les dashboards qui nous permettent d'avoir de données comparables, ce qui jusqu'il y a quelques années n'était pas possible ou n'était pas possible sur une échelle tellement large comme on a proposé de faire dans le cadre du projet Monacumène. Donc, je ne vais pas faire le discours de Madame Querci, qui ne peut pas être là aujourd'hui, car on est déjà très en retard. Donc, je voudrais seulement parler de quelques éléments clés du message du système portuaire, que le système portuaire veut donner. Ce projet et les autres projets auxquels nous avons participé et qui sont donc partagés par tous ceux qui participent à ces projets de coopération. La profonde interconnexion entre la transition énergétique et numérique, donc les défis que nous devons recueillir pour les années prochaines en tant que port est de rendre nos projets interconnectés pour ce qui est des buts de réduction et décarbonisation complète des systèmes portuaires, leur durabilité, donc réduction progressive de la nuisance, mais aussi, au-delà de cette transition énergétique, la transition numérique, donc offrir des services qui peuvent être des services qui se réfèrent adressés, disons, au public, pas seulement privé, permettant donc de réduire l'impact des systèmes portuaires sur les territoires des alentours, notamment sur les villes. Donc notre proposition, notre paquet en tant que système de port portuaire est d'accompagner ces deux transitions et de les supporter réciproquement. L'aspect du suivi se trouve au milieu de cette transition. Je ne peux pas en effet vérifier l'avancement des objectifs du programme si je n'ai pas monitoré et si je ne continue pas à monitorer successivement le projet. Pour ce qui est de la durabilité, je voudrais rappeler que le projet Monacumène s'est posé du début le thème de donner de la continuité à ces investissements. Nous avons considéré l'aspect énergétique d'approvisionnement des centrales et des capteurs et l'utilisation efficace de la donnée. Donc, sans le sauvegarder en archive dans des plateformes qui ne permettent pas de les utiliser. Donc,
qui ne sont pas dans des systèmes qui ne sont pas accessibles, qui ne peuvent pas être consultés. Donc aujourd'hui, il y a une base de connaissances plus large par rapport à il y a 3 ans qui nous permet de faire des projets, surtout sur le thème de la nuisance, des projets plus ambitieux. Donc peut-être il sera plus difficile le volet de la transition énergétique, donc de la CO2, pour obtenir donc des résultats, les investissements nécessaires sont plus importants. Il y a un grand nombre dans ces cas de technologies disponibles. Madame Querci aurait voulu parler de l'hydrogène. Donc en fait, les systèmes portuaires ont des options d'investissement qui sont multiples et qui exigent d'identifier bien les différentes priorités et les interventions faisables avec les ressources disponibles. Donc, pour terminer, je voudrais vous remercier. Nous avons fait un travail de 3 années très riche et enrichissant du point de vue professionnel pour tous ceux qui ont participé au projet. Donc, chacun d'entre nous termine mon acumène avec quelque chose davantage. Donc, je maîtrise en économie, je continuerai à ne pas bien comprendre le bruit, mais de toute façon, j'ai bien écouté, j'ai appris quelque chose de vos discours. Donc, et il est intéressant de voir de quelle manière les ports peuvent bénéficier de cette connaissance plus large qui doit être traduite dans des, disons, interventions, actions de mitigation. Donc, merci encore pour votre participation et pour le travail que vous avez fait dans le cadre du projet Molacumen. Il a été un plaisir. Merci. Merci, merci Ricardo. À très bientôt pour donc une rencontre physique, on l'espère très bien. Merci, bonne journée à tous et à toutes. Merci, au revoir, au revoir. E merci beaucoup aux interprètes. Grazie. Grazie davvero. Grazie. Ottimo lavoro. Grazie, siamo contenti. Grazie. E complimenti per il bel progetto e gli ottimi risultati raggiunti. Grazie. Il signor Paolo è già uscito e quindi possiamo più salutare. Arrivederci allora. Arrivederci. Riccardo, mi senti nella stanza francese? No, temo di no. Sì. Ok. Ah, ok.